Alors, comment ça va? Salut tout le monde! Bon, ça y est, c'est le jour. Aïe aïe aïe. Ça va, ça y est, enfin! Enfin, je l'ai reçu! Bon, ça va, hein, je l'ai eu le lendemain par rapport à des gens qui l'ont pas eu, tu vois. Qui ont pas pu la précommander plutôt. Petite série X ici. Ça va le son, il est pas trop fort de la musique? Alors, sinon, je vais mettre une autre musique. Peut-être un truc un peu plus calme. Et puis, on va ouvrir la PlayStation. On leur a mis un petit peu de musique plus calme. Bon, ainsi voilà. Bon, c'est bon. Voilà la bête. Bon, j'espère que ça va pas être trop chiant à ouvrir en vrai. Boum. Bon, voilà. Le livreur est enfin passé. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez eu l'histoire hier sur Twitter. Mais c'était assez folklore. Hein. Du coup, je l'ai suivi via l'application, vous savez, Chronopost, on peut suivre. Je suivais le gars, il était à deux rues de chez moi. Il était tard, il était vers 17h, 18h. Je me dis, ouais, il va bientôt passer et tout. Au final, à 18h30, toujours rien. Et à 19h, j'ai une mise à jour, il repassera demain, il est passé à 18h30. Alors que bon, à 18h30, j'étais devant chez moi en plus, donc pas possible. Donc le mec, il a arrêté sa tournée un peu plus tôt, donc j'étais deg. Enfin, c'est surtout que... Il m'avait dit qu'ils allaient livrer, tu vois, en début d'après-midi, et après, le mec, il a deux rues, et après, il dit qu'il est passé, enfin bref. Pas terrible. Allez, go. Ouais. Bon allez, on va ouvrir ça. Alors là, il y a des genres de petites pastilles à ouvrir, un peu chiant. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à avoir des PS4 depuis hier, si vous la cherchiez. Salut Coqueleux, comment tu vas? Enfin, au final, je fais avec... en fait, c'est un peu le même live qu'hier, mais sauf que cette fois, il y a un peu le sujet principal de la vidéo, quoi, on va dire. Ah! Espérons qu'il n'y ait pas de casse dedans. Je serai un peu deg. Hop! Bon, de ce que j'ai vu, apparemment, l'emballage n'est pas ouf hein, sur la PS5. On met un peu plus fort. Apparemment, c'est pas dingue l'emballage, je crois. Bon, qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Bon, ils parleront toutes les langues, on s'en fiche un peu, machin. SSD, ultra haute vitesse, ok. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Hop là. Ok. Par contre, c'est marrant, c'est que. Ah, si, ils mettent les gigas. Parce que c'est vrai qu'il y a que 825 gigas. Et je crois qu'il y a même moins avec l'OS maintenant. Ouais, regarde. Ouais, ils mettent 8K, hein, attention. Hein. Alors ça, oui, ça je voulais revenir vite fait sur la boîte avant de l'ouvrir. Un peu bullshit, hein. Ils mettent 8K. Bon, 8K, en termes de jeu, je pense pas que ça serait possible. Je pense que c'est plus pour tout ce qui est film, ou en tout cas compatibilité 8K, en tout cas via de l'upscale ou via, tu sais, leur télévision Sony. Parce qu'en fait, Sony, faut pas oublier que c'est des marchands aussi de télévision, et je pense que c'est pour ça. Ils veulent vendre la télé avec. Donc oui, ça fait un peu... 4K 120 fps. Même ça, techniquement, c'est la promesse qu'on pourrait atteindre sur des titres, mais au lancement, je crois pas que c'est viable, parce que je crois que Dirt, qui a 120 fps, ne tourne pas en 4K. Tu vois. Peut-être Minecraft, oui, en 8K. Et encore, ouais. Et HDR, bon, ça, ok, tu vois. Bon, après, ça, c'est du...
C'est du marketing, c'est pour faire vendre. Hein. Mais le 8K, il est clairement là pour leur télévision, tu sais. Vu qu'ils vendent des, ils font des télé 8K. Ok, donc ça s'ouvre comme ça. Normal, quoi. Bon, là, c'est la partie chiante. Il faut extraire du fourreau la console sans tout casser. Voilà, hop. En fait, les emballages PlayStation sont très similaires d'une génération à une autre. C'était déjà un peu la même chose sur PlayStation 3, 4, on se souvient. C'est déjà un fourreau comme ça, blanc, tout simple. Elle est en vente. Ah, donc ça y est, donc comme dit Baptiste, c'est vrai que la télé 8K, voilà, elle existe déjà. Enfin, je sais pas si elle était déjà commercialisée pour le grand public. Alors, comment ils me disent de faire? Ok, ok. On a quelques secondes du reveal de cette console. Ah oui, mais attendez, avant, il y a les choses plus importantes. Nous avons la prise secteur. Parce qu'après, là, j'ouvre la console, mais tout de suite après, je la lance aussi, hein, pour la première fois. On va regarder en direct le lancement. Le plus important. Attends, j'ai pas de câble HDMI là. Ça c'est le câble USB-C pour la manette DualSense. Mais j'ai pas de câble HDMI, attends, si c'est obligé. Ok, c'est là. Ok. Donc là on a le câble HDMI 2.1, donc très important pour pouvoir bénéficier de la haute résolution avec des fréquences d'image élevées. Là, on a le socle. Bon, le socle, vous l'avez déjà vu, hein. Ce qui permet du coup de placer votre console debout ou pas. Là, vous faites tourner, vous avez le petit bitonio pour la fixer. Bon, moi, je vais la mettre debout aussi, hein. Sur cette génération, je vais mettre les deux consoles debout, hein. Clairement. Et donc, je vais regarder d'abord la DualSense. Wow. Monte voir ce qu'elle donne, la DualSense. Ça, c'est vraiment le truc qui m'interpelle le plus, quand même. La manette. Il y a des personnes qui ont... Alors, Mohamed, il nous dit... Il y a des personnes qui ont commandé la digitale, ils ont eu une physique. Ah ouais. Salut, Sabagaga, comment tu vas? Ça va bien? Enfin, j'ai reçu la console. Hein. Petit périple, mais voilà. J'analyse mon nouveau partenaire de jeu. Ok. Ok. Ça va, elle rentre bien en main, elle est sympa. Ce qui est agréable en fait, contrairement à la manette Xbox, qui est très très bien, j'aime beaucoup en plus le petit grip qu'ils ont mis maintenant sur la série X des manettes. C'est que là on a l'impression d'avoir... C'est vraiment une nouvelle manette en fait quand même. Un petit peu de ASMR. Oui, je suis content. Du coup, je vais avoir les deux. Tu vois, là, j'ai déjà la petite série X. Ah, la croix, j'aime moyen. Parce qu'en fait, il y en a plein qui me disaient que la croix directionnelle, elle était mieux sur PlayStation 5 que sur série X. Bah, du coup, là, tu vois, je me dis... Je sais pas si j'aime autant la croix de la série X pour le coup. Les boutons sont jolis. C'est marrant maintenant, les boutons, il n'y a plus du tout de couleur hein, sur les touches. Ok, ok. Bon, après, le principal intérêt de cette manette, c'est les retours haptiques et tout. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de voir. Mais c'est vraiment une belle manette. Vous avez le focus là. Voilà. Vous voyez, ils n'avaient plus les couleurs en fait maintenant. Et la croix directionnelle,
Elle a un toucher un peu doux. Mais je sais pas. J'aime autant la série X en fait, le bouton de la série X. Je m'attendais à mieux en fait, vu comment les gens la comparaient. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le. Elle est bien finie. Il y a des parties un peu laquées, des parties un peu plus mates. Puis bien sûr, cette manette a des haut-parleurs, a des micros, a des choses un peu plus. Voilà, c'est un peu plus élaboré que sur une série X, quoi. Que du maître Xbox. C'est bizarre ça, par contre, c'est biseauté, c'est coupé là. Bon, bref. Pas mal. On va la remettre sur la concurrente. Quand un grand débat chez Sepsol. Bah, quand il m'invite, quoi. Quand il veut, ça verrait que ça peut être cool. Il y en a, ils ont. Oui, ça j'ai vu, Nicolas. Il y en a, ils ont commandé chez Amazon. Et ils ont reçu. Ils ont pas reçu de PS4 en fait. Ils ont reçu des trucs d'électroménager et tout. Tout horrible. Ah, ça y est, je touche la bête. Bon, par contre, c'est vrai que l'emballage, il est pas. Enfin, comparé à la série, c'est pas dingue. On dirait que c'est emballé dans une boîte à œufs. Regardez, on dirait de la boîte à. En fait, c'est la même matière que les boîtes à œufs. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les genres de carton là, recyclé, refait là. Papier mâché là. Ça fait ça en fait. Bon, je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens en fait là. Alors, oui, j'ai dans le bon sens. J'ai le petit logo PlayStation ici. On va pouvoir comparer avec la série qui est juste derrière. C'est vrai que c'est un emballage austère hein, quand même, je trouve. Ça fait console de jeu. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Comparé à Xbox, ça faisait un peu plus produit, un peu plus luxe, tu vois, l'ouverture et tout. Là, ça fait un peu plus console de jeu, en fait. Salut Steven, Ciné Gaming, comment tu vas? Bienvenue. Voilà la console, alors attendez, on va la poser. Et je vais ranger tout ce bazar et on va la regarder. Et on va la brancher surtout, et on va tester le lancement. Ça, on range. J'ai vu qu'il y en avait en plus, il est racheté plus de 1000 euros sur eBay, etc. Oh là là, les gens ils sont fous. Les gens sont fous. La belle bête. Salut Jérémy, comment tu vas? Ouais, ça m'a gagné. Mais c'est dommage, c'est pour coup. Toi, c'est un truc qui m'a marqué l'ouverture de la série X. La boîte était vraiment beaucoup plus jolie. Ouais, j'ai reçu une belle bête. Bon, alors on va regarder ça. Bon, moi, je suis parti des gens qui sont pas vraiment fans du design, honnêtement. Elle est énorme, par contre. Elle est énorme. On dirait que je tiens un livre en fait. On dirait que j'ai un bouquin, tu sais. On dirait une statue grecque. Vive les MEI. Ah oui, d'accord. Ok. T'as pris quoi comme jeu avec? J'ai pris. Ils sont là. J'ai pris Demon's Souls. Et j'ai pris Spider-Man Miles Morales. En tout cas pour le Day One. Donc voilà, et là il y a la partie laquée et tout, donc voilà, je suis pas très fan du design. Il est un peu. Je sais pas. Moi j'aurais préféré en noir, tu vois. Mais bon. Et là du coup j'ai la série X ici en plus juste derrière. Donc on a les deux consoles. On a la Xbox et la PS5. Et c'est vrai que la. C'est vrai que la Xbox, elle est la série X, c'est vraiment plus petite. Hein. Par contre, elle est plus lourde, peut-être. Je sais pas trop.
compte prendre quoi comme jeu après? Bah moi je pense que je vais partir sur le principe que je vais sûrement jouer au jeu éditeur tiers sur Xbox. Donc je pense que Cyberpunk qui sortira en décembre, je le prendrai sur Series X, tu vois. Et sur la PlayStation 5, je prendrai les exclusivités PlayStation, tout ça. Donc là, prochainement, il y aura quoi? Il y aura du Ratchet, du Horizon, du Kena, tout comme ça quoi. Ori, ouais, Ori je l'ai déjà via le Game Pass du coup sur, sur la Series X. Merci Philippe. Donc voilà la bête. Bon bah, en vrai, me paraît un peu plus joli que ce que je l'imaginais. Je suis pas trop fan de la partie laquée, là, ici, là, vous voyez. Je trouve que ça fait pas cheap, mais un peu vieillot, tu vois. Mais le plastique est beau, quand même. Le plastique est joli. Ça, c'est plutôt joli, là, le logo qui est creusé dedans. Et je crois qu'à l'intérieur ici, en fait ici à l'intérieur c'est en relief et c'est que les logos PlayStation. Donc croix, rond, triangle. J'aime bien moi, ça fait penser. Et justement, ça fait penser à autre chose qu'une console et c'est ça qui me déplaît un petit peu. C'est-à-dire que ça fait penser un peu, moi ça fait penser à un routeur internet, tu vois, un petit peu. Pour schématiser, hein. Mais bon. Par contre, c'est des bêtes énormes. Hein. Genre, tu veux la comparer à la One. Oh, ouais, je voulais porter les deux, mais... Fais une connerie. C'est pas le moment de casser. Hop. Petite Series X en vert, comme ça. Et la PS5. En bleu, voilà. Bon, franchement, bien content de l'avoir reçu enfin. C'est pas mal ça. Les routeurs sont censés être beaux. C'est vrai. Bon, je pense que j'aimerais bien tester ça. Je pense que je vais aller la brancher et on va pouvoir voir ce que ça donne. Voir si le rendu est cool. Bon, ils ont foutu leur pavé tactile là qui n'était jamais exploité hein, sur la PS4. Même là, je crois que tous les logos, c'est des logos PlayStation qu'on voit là, en tout petit dessus. T'as pas réussi à la précommander, Astro? Bon, je vais aller brancher ça. Et j'en ai pour même pas 10 secondes. Hein. Et on se retrouve là tout de suite. Tout de suite. Je vous la branche, j'arrive tout de suite. Hop là. Ça va venir de quoi? Nuit dans... Deux nuits blanches pour rien. Ah oui, tu l'as pas trouvé du coup. Bon, hop. On va préparer les écrans. Et on va jouer, on va tester la PS5. Voir le premier boot. Hop. Ça va là. Et voilà. Toc là. Bon, pour l'instant, on voit rien.
On va recadrer ça vite fait. Normalement, il y a un petit peu de batterie encore. S'allume. Est-ce que ça s'allume? Ça s'allume pas en tout cas avec la manette. Faut peut-être l'allumer manuellement. Ouais, je l'ai reçu là. Je l'ai reçu exact. Oh! Je l'ai reçu, je l'ai reçu. Alors, oula, oulala. Alors ils disent de brancher la manette avec le câble. Alors, est-ce que vous allez avoir le son de la console? Vous avez le son de la console là? Je crois, hein. Ça va être le son de la console, ça. Ok. Non, vous n'avez pas, attendez. Mit dem USB-Kabel an die Konsole an und drücke die PS-Taste. Là, vous devrez avoir le son là. Connectez votre manette à la console à l'aide du câble USB et appuyez non. sur la touche PS. Connecte le mando à la console mediante un câble USB et pulsa le bouton PS. Collega il controller alla console con il cavo USB e premi il tasto PS. Ok. Ça parle Connect tout your controller to the console with the USB cable and press the PS button. PS button. Schließe deinen Controller mit dem USB-Kabel an die Konsole an bon, allez, go, und drücke die PS-Taste. Connectez votre manette à la console à l'aide du câble USB et appuyez sur la touche PS. Conecta el mando a la consola mediante un cable USB y pulsa el botón PS. Collega il controller alla console con il cavo USB e premi il tasto PS. C'est bon, c'est bon, je l'ai branché là. To the console with the USB cable and press the PS button. Aïe, aïe, aïe. Schließe deinen Controller mit dem USB-Kabel an die Konsole an und drücke die PS-Taste. Fallait brancher derrière. Connectez votre manette à la console à l'aide du câble USB et appuyez sur la touche PS. C'est derrière, je crois qu'il fallait brancher, non? Connecta le mando à la console mediante un câble USB et pulsa le bouton PS. Collega il controller à la console con il cavo USB et premi il tasto PS. Select your language. English, okay. United Kingdom. Press the cross button to select and the circle button to go back. Button. Press cross to select. This language okay, isn't available for the screen reader. Ok. En tout cas, c'est... Bon, allez. Alors. Moi, je suis français. Français. Continuez avec le lecteur d'écran activé. Continuez. C'est-à-dire quoi, ça? Appuyez sur la croix pour sélectionner. Avec le lecteur d'écran? Ah non, non. Ok, c'est la voix off, en fait. Non, non, je veux pas de voix off qui me dit où je clique. régler les zones d'affichage, ok. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça c'est pas bête, ça. Ça c'est pas bête, ça. Pas bête du tout. Sont pas bêtes, hein. Sont pas bêtes. Alors, ok. Consommation d'électricité. Alors là, c'est-à-dire consommation d'électricité lorsque certaines fonctions sont désactivées. La mise à jour ne sont pas effectuées, donc ça, c'est pas dingue, mais ça consomme en électricité, c'est sûr.
Expérience optimisée s'applique toujours aux dernières mises à jour. Sauvegardez vos jeux. Sauvegardez votre jeu car il risque de se fermer. S'allume à distance lorsque vous connectez avec l'application PlayStation. Hype. Recharge des manettes après le passage en mode repos. Mettre optimisé. Je sais pas trop, on verra. Accord de licence, bon ça tout le monde accepte sans lire. Salut, ouais beau papa, ça y est, enfin. Mise à jour. Ah. Mettre à jour. Bon bah ça redémarre déjà les gars. Ça redémarre déjà. Bon, en tout cas, ça y est, elle est là, je suis plutôt content. Bon, j'ai hâte de tester la DualSense, hein. Franchement, c'est peut-être la seule chose qui m'intéresse vraiment. Parce que bon, le design de la PlayStation, je suis pas fan, mais après, on la regarde plus vraiment. Hein. Mais j'ai envie de tester ce petit appareil qui espérons, tient ses promesses. Espérons. Ça y est, j'ai enfin les deux consoles next-gen. Je suis plutôt content, en vrai. C'est bizarre, quand ça fait longtemps qu'on les attend, et qu'une fois qu'on les a, bah on est content. Mais maintenant, maintenant, c'est fait, quoi. Tu sais, c'est comme Noël, en fait. T'attends Noël, et une fois que tu l'as, bah tu te dis, bah ouais, en fait, le fait d'attendre, c'était cool aussi, tu vois. Bon, je vais pas dire ça, parce que hier, ça m'a fait chier d'attendre, ouais. Le livreur qui dit qu'il passe pas, quelle horreur. J'ai été livré ce matin, du coup. Ce matin, il est arrivé à 11h. Ouais. Salut Royal Mino, comment tu vas? Comment vous allez tous? Bon, là, c'est installé, mise à jour. Bon, c'est plutôt rapide, là. Ça va. Les dernières updates de la console. Alors, espérons que j'ai pas une console qui est défectueuse. Hein. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes avec leur PlayStation 5. Espérons qu'il n'y a pas trop de soucis, hein. Parce que c'est pas vraiment le moment pour avoir un problème pour le fait de changer et tout. Ça va être compliqué. Et bon. J'ai vu qu'il y avait des problèmes d'image, ça scintillait, ça. Il y a plein de soucis, hein. Après, c'est dommage, hein, quand c'est produit en grande quantité comme ça, il y a souvent du matos, bah voilà. C'est fait un peu en vitesse. Et puis c'est. Après on relaie principalement aussi les défauts. Donc on peut penser qu'il y a beaucoup de défauts, ça se trouve proportionnellement il n'est peut-être pas assez quoi. Il y a plein de crash de Xbox, problème d'alimentation. Non, moi j'ai eu qu'un souci sur ma Xbox pour le coup. Elle est très 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 silencieuse. Alors voilà le fameux bouton qu'on avait eu en teasing il y a déjà plusieurs mois. Donc on appuie sur le PS button. Boum. Alors attendez, une nouvelle version du logiciel de manette, vous n'aurez connecté la manette. Ah, bon, alors je reviens. Il y a que des mages, hein, je vous le dis. Des mises à jour. De quoi au Gami? De quoi au Gami, j'ai pas compris. Ah, faut que je me connecte. Ah ça y est, c'est déjà mis à jour la console. Ah, on peut se connecter avec l'app, c'est peut-être pas con ça. Salut Thunder VR, comment tu vas? Welcome! On va essayer de se connecter avec l'app, voir si ça marche bien. Bienvenue, connexion, c'est parti. Ah oui, en plus ils ont fait une refonte sur le... L'app a été refaite complètement.
Hey, salut Ange. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, quand tu attends beaucoup de mois, beaucoup de semaines, machin, vu que j'achète toujours mes consoles Day One, je les attends depuis, voilà, plusieurs jours, plusieurs mois, et jusqu'au moment où tu as la livraison, une fois que tu as l'objet, t'es content, mais tu vois, genre, je vais pas dire que tu passes à autre chose, parce que là, je vais l'utiliser tout le temps, en fait, donc je suis très content, tu vois. Mais c'est juste que, tu sais, t'as le moment de « Waouh !» et puis après, tu la poses, et voilà. Mais après tu l'utilises inconsciemment, c'est juste, je parlais vraiment de fait de la regarder, de la toucher. Non, bien sûr, je suis ultra content de les avoir, sinon je les aurais pas achetés, tu vois. Hey Zertox, comment tu vas? Alors, attendez, continuez. On va essayer de scanner ça. Pour se connecter directement, sans mettre les mots de passe et tout. En fait, le temps que je perds à me connecter sur l'application, c'est le temps que j'aurais gagné potentiellement à... À scanner le truc, quoi. Enfin, à écrire directement. Allez, go, c'est bon, on s'en fout. Ça va super. On a reçu la petite PS5, là. Alors, comment on fait pour synchroniser avec... avec mon app, là. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de faire comme ça. Hein. Y'a pas de soucis, hein, mais je sais qu'en plus, la PS5, même la Series X, finalement, c'est des consoles ultra dures à trouver, hein. C'est des consoles rares, collector. Il y en a même qui arrivent à les vendre le double sur internet. Donc, ouais. Par contre, je sais même pas comment je me connecte en fait. C'est vrai, t'as pas sort, regarde, c'est trop. Merde, j'ai raté le début. T'inquiète, bah Nicolas, bah je l'ai juste déballé. Là, après, là, je vais tester. Je suis dans les menus, tu vois, je lance les menus. J'essaie de voir comment je pourrais connecter. Apparemment, on peut connecter. Alors, ils disent ouvrir l'application, machin, connectez-vous. Bah, c'est ce que je fais. Gestionnaire de périphérique, c'est pas ça. C'est pas clair. Console PlayStation, ok, ça va être ça. Parce que moi, j'ai pas l'option connectez-vous à la PS5. Hein. Ah non. Ouais, je sais, je les ai, mais j'ai pas la même chose qu'ils ont sur l'application. Non. Ça m'ouvre que les paramètres de confidentialité. Donc c'est super. Ah, c'est là, ok. En fait, il y a deux menus. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Salut, Adrien, comment tu vas? Voilà, là. Alors là, il faut que je scanne ça. Alors attendez, je mets comme ça parce que je sais pas si on voit des infos de connexion importantes. Non, c'est bon. C'est bon, on voit ma tête là. Attendez, c'est pas là. Hop, on voit ma tête, regardez. Oh la tonche. Allez, go. On va se connecter à ton compte. Merci de patienter. Ok, on s'en fiche. Ok, bah là, vous voyez carrément où j'habite. Donc comme ça, c'est super. Ah ouais, vous avez carrément vu la ville où j'habitais, quoi. Faut faire quoi? Faut afficher quoi? Département, région. Ah, il faut écrire le département, la région. Ok. Let's go. Terminé. Hop, et ça, hop, ok. Non mais il n'y a pas l'adresse précise, ça va. Social, modifié, permet de confirmer la nationalité. M'en fiche, moi je veux tout mettre normal. Ok, je veux interagir avec tout le monde, ok, on s'en fiche. Ok. Salut Samagaya, bon courage. Ok, continuez, ok, on s'en fiche. Merci de patienter. Hop, là ça doit être là. Hop, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, peut-être les moyens de paiement maintenant. Oi. QR code? Non, je crois que c'est pour... Ah, non, parce que ça doit utiliser le réseau Wi-Fi, non? Je crois pas. Protégez votre compte grâce au système renforcé.
Ça, on le fera plus tard. Ajouter un numéro de portable. Bon, attendez. Oh là là. Celui-là, celui quand, du coup, je l'ai reçu ce matin à... À quelle heure déjà? Vers 11h, un truc comme ça. Ok, ça télécharge les applications. Ok, ouais, ok, Nico. Là, je dois télécharger des applications Amazon Prime et tout. Ouais, ok, allez, prends tout, fais ce que tu veux. Pas très clair ce qu'ils veulent faire. Transférer les données depuis votre PS Cache. Ah oui, c'est vrai que j'ai des trucs à récupérer moi. Ouais, mais j'ai plus ma PS4, moi, tout est en ligne. Alors qu'est-ce que vous me dites? Je suis un gros joueur de Warframe et effectivement je préfère attendre 10 secondes sur PS5 que de charger plutôt 40 secondes sur PS5. Le temps de chargement me rappelle mon celle de ma préco. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup si tu joues beaucoup à Warframe, il y a un gros changement sur PS5. Hein. Pas honoré par Micromania. Ah, oh merde. Ah ok. Non mais j'ai pas de transfert à récupérer là. J'ai plus de PS4, moi j'ai tout vendu moi. Ah, regardez. Miniature. Ça y est. On est sur le nouveau menu. Petite musique. C'est stylé, musique. Aïe, 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 Astro. Premier jeu que je vais jouer. Astro, pour tester la manette. Franchement, la musique, elle est cool, en vite, la musique, en vrai. J'aime beaucoup la musique. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la musique de Astro, en fait. C'est la musique du menu, en fait, c'est la musique de Astro. PlayStation Plus. Point fort, là. Je crois qu'en plus, on doit avoir la collection. Ce qui fait, regardez, on a tous ces jeux-là. Tous ces jeux-là. Directement. C'est vrai que ça met dans l'ambiance. Donc là, on a... Alors ça, c'est tous les jeux qui sont offerts quand t'es PlayStation Plus. Sur PlayStation 5. Tu as Crash Bandicoot, Fallout 4, Game, God of War, Mortal Kombat X, Final Fantasy 15, Black Ops 3, ok. Monster Hunter, Resident Evil, Persona 5 par contre c'est la version normale, pas la Royale. Donc il n'y a pas le... Il n'y a pas le sous-titre français. Battlefield 1, The Last Guardian, Days Gone, Detroit, Uncharted, Batman, Ratchet, Last of Us, Bloodborne, Until Dawn et Infamous Second Son. Ok, il y a du contenu. Hein. Bon, j'ai tout fait, je crois, par contre. Je crois que j'ai tout joué, déjà. Ouais. Sauf FF15, que j'ai pas encore fait. Et Fallout 4, que j'ai pas fait entier, mais dans l'idée... Il y a toujours Bugsnax. Ah oui, normalement, il y a les jeux gratuits aussi. Ouais, ouais, normalement avec le PlayStation Plus, tu récupères toutes tes sauvegardes, exact, exact. Ok, ils sont là les jeux offerts ce mois-là, regardez. Il y a même Hollow Knight qui est un super titre, Hollow Knight. Montre comment ça se passe là. Oh, par contre, la vitesse quand tu cliques sur un jeu pour aller dans le store. What the fuck. Ajouter la bibliothèque. Ok. C'est, regardez, c'est d'une fluidité. En deux clics, t'ajoutes, tu sais... Pourquoi ils me disent s'abonner, là? Je suis déjà abonné. Hein. Attention.
Non, c'est pas Game Pass, mais c'est quand même une excellente offre. Hein. Une excellente offre. Ah tiens, c'était ça que je voulais savoir, là. Vous savez, ils ont mis un système d'astuces, maintenant. Genre, ça c'est tous les jeux, pour l'instant, qui bénéficient, du coup, du système d'aide en jeu. Et donc, tu peux avoir des aides, apparemment, dedans. Oh, bah. Genre dans Demon's Souls, si vous avez des difficultés. Salut, Nec26, comment tu vas? Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je découvre le menu de la PlayStation 5. Ok. Très très beau, hein, le menu très épuré, marche bien. Ouais ouais, il est bien dedans, je viens de le télécharger à l'instant là. Enfin, de l'ajouter en tout cas à ma bibliothèque. Et donc techniquement, je peux récupérer mes titres déjà téléchargés, c'est ça? Bibliothèque de jeux. Et là, j'ai mes 422 jeux. Parce que moi, j'ai beaucoup de jeux, hein. Sur console. Ghost of Tsushima, c'est qui sont... Ça, allez, d'accord, ça, il faut mettre les... Donc, j'ai mes 400 jeux, là. Donc, on peut quand même... Ouais, c'est vachement... C'est quand même rétro-compatible à mort avec la PS4. Hein. Vous pouvez récupérer tous vos titres que vous avez joués... des générations d'avant. Ok, ok, cool. Ok, nice. Ok. Et est-ce qu'on peut voir quand un jeu a une upgrade Cela c'est marqué... Par exemple, vous voyez, genre là, The Order, c'est marqué PS4. Une petite pastille PS4. Et ce titre-là, c'est marqué jouable sur PS4. Ça veut dire que celui-là, je peux pas y jouer sur PS5. Non, je crois que je... Pas très clair. En temps normal, Jérémy joue sur une TV 4K HDR OLED de chez LG. Mais là, pour le live, je suis sur un écran d'ordi. Enfin, je suis un écran normal, quoi. Ouais, normalement, ils sont en 4K. Mais là, du coup, je suis pas en 4K pour le live. Oui, j'ai Lord of Fun. De toute façon, j'ai plus de 422 jeux là-dessus. Tu vois. C'est à force de te prendre les jeux gratuits, etc. Il y a du titre, hein. Moi, j'ai hâte de tester Star Wars Squadron, tu sais, en VR sur PS5, parce que, bah, à mon avis, ça va aussi augmenter un peu la résolution. Bon, j'ai envie de tester ça, la Astro Playroom. Et tester la manette. J'ai Demon's Souls qui s'installe, là. Est-ce que ça se lance vite, les bandes annonces? Ouais, ça va vite, en vrai. Ça va vite, en vrai, les... Par contre, la qualité, elle n'est pas encore en haute qualité. Les cadenas, c'est pour les jeux disques? Ouais. C'est les jeux, il faut mettre le disque dedans. Ouais, ouais, les LG en OLED, ça marche bien. De toute façon, c'est eux qui font les dalles pour tout le monde, hein, en OLED. Ok, donc là, c'est les bandes. Ok, c'est okay. Et là, du coup, on a les gens qui streament en direct. On peut pas cliquer par les jeux optimisés, trier là. PlayStation Now. Ah, PlayStation Now, il est quand même mis en avant ici. Hein. Mais en vrai, le contenu, il est pas ouf, hein, je trouve, dedans. Surtout qu'il y a la moitié des titres qui sont déjà offerts dans les offres avec l'abonnement PS Plus. Bon, alors, on va lancer Astro. On va tester. Tu comptes rejouer à des jeux que t'as déjà joué sur PS4, sauf que... Là, tu joues sur PS5, je sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, je vois. Il y a des jeux qui sont un peu plus optimisés. Notamment, il y avait l'histoire de... Ah, il y a une petite pastille en haut à droite qui indique que le jeu est prêt à jouer. Est-ce qu'il a été mis à jour? Mise à jour disponible. Attends. Allez, à téléchargement. Ok, donc là, il y a une mise à jour qui se fait quand même. Pour Demon's Souls. Et là, j'ai une petite mise à jour. On va attendre la fin de la mise à jour de... d'Astro, et puis on va tester ça. Oui, je disais pour... oui, parce qu'il y a des jeux qui sont optimisés, je crois qu'il y a Days Gone, notamment, qui a une upgrade à 60 FPS. Il y a quoi d'autre, déjà? Il y a d'autres jeux comme ça. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être cool, même, je crois, que Ghost of Tsushima est en 60 FPS.
Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme titre qui est au upgrade. Est-ce que vous savez si Death Stranding a un upgrade PS5, enfin un upgrade, en tout cas une meilleure résolution. Je vais mettre Spider-Man en attendant pour qu'il s'installe aussi. On va lancer tous les jeux comme ça. J'ai une question, est-ce que le PlayStation Plus collection est temporaire ou définitif? Je crois qu'il est... Non, pas par une notion de temps en tout cas pour l'instant, donc a priori il devrait être définitif. Vu qu'en plus c'est une offre que tu as uniquement sur PlayStation 5, ça n'en retire rien les ventes sur PS4, techniquement. Donc non, je pense qu'il peut être définitif. Je pense que c'est un produit d'appel qu'ils ont fait pour inciter les gens à faire le passage et un peu contrer le Game Pass. Donc non, je pense pas qu'il doit être temporaire. Après, bon, je sais pas. Ça se trouve, il sera peut-être même lié à évoluer, peut-être, je sais pas. Après, on va tester aussi d'installer du coup Days Gone et tester voir le 60 FPS. Je pense que ça peut être cool. Voir comment ça marche, s'il y a des patchs à prendre, s'il y a des trucs. J'ai pris une Sony XH91 en 65 pouces. J'ai pas pris du OLED car j'avais pas de budget. Par contre, elle fait bien le job, je trouve. Et il y a deux ports HDMI 2.1. Bah, c'est le principal. En plus, attention, le OLED. Moi, j'aime bien le OLED hein, parce que ça fait des noirs profonds. Et vu que j'aime bien le cinéma, c'est vraiment cool. Mais le OLED, ça marque. Donc, sur les jeux vidéo, c'est pas l'idéal en temps normal. Parce que, comme vous le savez, si vous avez des zones fixes, par exemple, si vous regardez à la télé, vous avez des logos genre TF1, BFM, des trucs comme ça. C'est le genre de choses qu'après qui peut marquer la dalle et que si après vous avez une image qui est blanche et tout, vous avez encore un peu les logos BFM qui va toujours être affiché. Et le jeu vidéo, vu qu'il a tendance à laisser afficher genre une minimap, les points de vie, quelque chose comme ça, c'est des choses qui peuvent après rester sur du OLED. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être problématiques et prendre en compte. Normalement, le OLED, c'est pas conseillé pour le jeu vidéo actuellement parce que ça coûte très cher et ça peut s'abîmer plus vite que les autres. Voilà. Le OLED, normalement, c'est pour le cinéma, pour une image qui bouge, qui n'est jamais fixe, quoi. Moi, j'ai du OLED sur ma LG, mais pour l'instant, j'ai pas de marquage. J'en ai du très, très, très léger sur des fortes lumières. Notamment quand je l'allume depuis pas long... Quand je l'allume après une longue session où elle est éteinte, des fois, j'ai un petit marquage, un petit trait noir, mais genre... tu sais, pour te dire, en opacité, c'est à peine 5-6%, tu vois, à peine, sur le haut de l'écran. Mais après une heure ou deux, vu quand la dalle est chauffe, on la voit plus. Oui, ça fait chier. Ça fait 2 ans que je l'ai, la mienne, tu vois. Elle est plus en garantie depuis 3-4 mois. Et ouais. Bah, c'est le problème de l'OLED, en fait, tu vois. Mais par contre, l'image, elle est dingue. Le noir, il est parfait parce que le noir de l'OLED s'éteint. Donc, ce qui fait qu'en fait, toutes les zones noires, elles sont vraiment éteintes. Donc, t'as pas du gris. Et donc, tu sais, quand tu as les bords noirs en haut et en bas, quand tu rates des films, et ben c'est éteint. Donc, en fait, quand ta PC est dans le noir, ton écran, t'as l'impression qu'il est. Ben, tu vois pas les bords de l'écran, en fait. Oui, c'est ça, Astro. C'est l'OLED, c'est pour les noirs. C'est les noirs les plus profonds, en fait, qui existent dans un écran. Je vais tester Astro en premier pour tester les retours, tu sais, les sensations de la manette et tout, parce que vu que c'est le jeu qui teste tout ça, donc j'ai hâte de voir. Oui, l'histoire d'un héros, oui, le livreur, en fait, non, il s'était pas perdu. C'est qu'il a fait sa tournée, donc tu sais, hier, je le traquais en même temps sur l'application Chronopost. Et le soir, vers 17-18h, je le traque et je me dis, putain, ah, ça y est, il est dans ma ville, il est à 2-3 routes chez moi. C'est pour bientôt, tu vois, donc j'étais content, en plus il s'est marqué qu'il irait jusqu'à 19h, il restait encore une petite heure, une heure et demie, donc j'étais content. Donc je me suis dit, je vais aller devant chez moi, et je commençais à nettoyer les feuilles devant chez moi, machin truc, tu vois. Et donc je me dis, comme ça, je vais pas le louper. À 19h, je reçois une alerte, votre livreur est passé à 18h30, et il n'y avait personne, du coup ça sera demain. Alors que j'étais devant chez moi, il n'est jamais passé en fait. Donc le mec a menti pour arrêter sa tournée plus tôt et pour voilà. Donc je l'ai eu ce matin à 11h au final, donc dommage, mais bon. Bah j'ai perdu une petite soirée quoi, mais c'est pas
pas la mort, quand on voit que la plupart des gens n'ont pas leur console, c'est pas, je vais pas me plaindre non plus, mais... Le truc le plus chiant, c'est pas le fait que je l'ai le lendemain, c'est le fait que, tu sais, qu'on te mente. On te dise, tu seras livré entre 11h et midi, après, non, avant 19h, et puis au final, on dit que t'étais pas là, t'étais là, tu vois. Car avec ma PS5, j'aimerais bien avoir un bon écran, donc je cherche sûrement... Bah... Ah, donc, t'as réussi à en avoir une, du coup, une PS5, Jérémy? Bah sinon, le mieux reste le OLED, mais après, faut faire très très attention à l'écran, parce que moi, par exemple, j'en fais très attention, c'est pour ça que j'ai très peu de problèmes par rapport à d'autres consommateurs d'OLED. Moi, en vrai, je te dis, mon marquage, au bout d'une heure et demie, il s'en va quand ça chauffe. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut jamais laisser l'écran fixe. Genre, si t'as l'habitude chez toi de laisser la télévision allumée, de laisser la télé en arrière-plan, ou d'écouter genre Deezer, Spotify, tu sais, d'avoir... l'écran de ces applications en fixe, l'OLED, je te le déconseille parce que c'est là que ça va marquer et c'est là que ton écran va s'abîmer. En fait, l'OLED, c'est limite, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est stressant, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'en occuper. C'est-à-dire que, genre, si tu te lèves, moi, dès que je me lève plus de 5-10 minutes en dehors de mon écran, j'éteins la télé en fait. Et quand je reviens, je la rallume, tu vois. Dès que je m'absente un peu, j'éteins, je rallume tout le temps. Je laisse jamais la télé allumée parce que c'est comme ça qu'elle marque en fait. Donc, c'est sûr, si tu veux pas être stressé et omnibulé par le fait d'éteindre ou de rallumer, prends pas le OLED, prends du LCD ou même du QLED, des trucs comme ça. Il y a d'autres technos qui marchent très bien quand même. Hein. C'est juste que les noirs sont pas aussi profonds que l'OLED. Mais par contre, tu peux avoir des dalles qui, niveau couleur et tout, c'est dingue, c'est équivalent, hein, c'est tout. Les reviewers qui n'ont pas pu précommander, obligés de livrer la console aux autres, les boules. C'est vrai, c'est trop vrai. D'ailleurs, je sais pas si c'était vrai, j'ai vu sur Twitter un mec qui a partagé une image, une conversation, tu sais, audio sur les livreurs à Paris, et t'as le directeur d'Amazon d'un secteur de livraison qui leur dit que s'il y a des vols ou des pertes de PlayStation, ils allaient avoir des convocations et tout, enfin en mode, vu que c'était le lancement de la PlayStation, tu sais, qu'il a préparé ses mecs pour pas qu'il y ait de vols ou de trucs comme ça, quoi. Mais déjà, il y a eu des vols, il y avait plein de vidéos qui montraient des gens qui ont volé et tout. Moi, je pense pas acheter tout de suite la PS5 parce que pour l'instant, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, Xbox avait fait un bon move avec la... Enfin, un bon move, oui, mais malheureusement, qui est pas très... qui est un peu difficile avec les situations actuelles. Mais tu sais, tu peux l'acheter en prêt. Enfin, non, pas en prêt, mais tu sais, en plusieurs fois par mois, je sais plus comment on appelle ça. Le Xbox All Access, je crois que c'est ça. Et du coup, ça t'en revenait même à moins cher que la console au final avec l'abonnement Game Pass. Et ça, c'est cool. Pour 20€ par mois, t'avais une console un peu comme un téléphone, quoi. Donc, j'ai failli en avoir une hier sur Amazon, mais ça bug au moment du paiement. Oh shit. Moi, du coup, je l'ai eu sur Amazon, mais au mois de septembre, j'ai eu de la chance. C'est vrai que du coup, Jérémy, soit tu l'achètes à 900 balles sur eBay, ou alors tu devras attendre longtemps. Parce que là, il n'y aura pas de réapprovisionnement avant longtemps. Quand je sais que Micromania, les précommandes, ils ont dit... Sony leur avait parlé de avril au plus tard. C'est-à-dire que d'ici au mois février, ça va être difficile d'avoir une console. AMDR, et en même temps, il y en a qui ont reçu des appareils ménagers. Oui, j'ai vu, en Angleterre, ils ont reçu... Les PS4 ont été envoyés. Et les gens recevaient des appareils électroménagers, genre des robots, des cuiseurs, des machins. Alors que la commande, c'était censé être une PS4. Enfin, ils avaient acheté une PS4, quoi. Ça c'est bizarre, et puis le truc c'est que c'est pas un cas isolé, ils avaient des dizaines de personnes qui ont reçu comme ça des appareils machin. Mi-décembre, non, en fait Astro mi-décembre c'est pour ceux qui sont en deuxième vague, qui ont déjà précommandé. Parce qu'en fait tu sais, quand tu précommandais t'étais en vague 1, donc c'est ceux qui l'avaient dans le lancement, donc là, mois de novembre. Après t'as la vague 2, c'est ceux qui sont situés un peu après, et en fait apparemment c'est décembre. D'après les retours qu'on a eu hier sur le chat, il y en a qui sont venus, qui avaient précommandé. Certains leur disent début décembre, d'autres même fin décembre, donc même dans Micromania ils savent pas trop, tu vois. Et après t'as la vague 3 jusqu'à la vague 4 en tout cas du côté de Micromania. Et c'est cette fameuse vague 4, donc la dernière qui est pour l'instant c'est un peu flou, c'est vers mars-avril, tu vois. Salut Cédric, salut, je pense que pour avoir accès au All Access, il faut déjà avoir de quoi payer par mois, il faut que le dossier soit validé. Sûrement. Je pense, vu que c'est une sorte de crédit, même si tu y as, il n'y a pas d'intérêt, enfin genre tu payes pas, mais c'est quand même une forme de crédit, parce que du coup tu t'engages sur 24 mois
à pouvoir fournir les 24 ou 30 euros pour avoir la Xbox, c'est sûr, ouais, je pense. Je sais pas comment ça marche, c'est pour ça qu'il y a que Fnac et Micromania en France qui ont le droit de proposer ce service, en tout cas, pour les consoles. Ah, ok, ok, bah tant mieux, alors j'espère que ces discours vont pouvoir avoir du stock, mais en tout cas, je parle, tu sais, pour Micromania, en tout cas, eux, c'est ça. Pour l'instant, c'est les infos qu'ils avaient du Sony il y a une semaine, tu vois. Là, donc, ça se trouve, ça a évolué maintenant, ils arrivent peut-être à avoir plus de stock. Mais c'est vrai que là, c'est un lancement calamiteux quand même. Les gens peuvent pas acheter les consoles qu'ils veulent. Hein. Même la série X, finalement, se retrouve en rupture. Alors qu'à la base, c'était pas prédestiné, quoi. Bon, alors attends, est-ce qu'on a toutes les mises à jour là? Tiens, attendez, en attendant les mages, je vais voir les fonds d'écran animés, les trucs. Alors attendez, stockage, on a combien de stockage? Regardez, le stockage par contre. Regarde, en stockage, on a 667 gigas. Juste au-dessus de moi là, on voit. C'est que dalle en vrai. Non, 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 parce qu'en dessous de moi, il y a marqué espace libre. Donc, c'est-à-dire que ça compte le jeu. En fait, les 662, c'est la taille totale du stockage. Et avec le Astro installé et Demon Soul, je suis à 539. Si, j'étais au courant, mais pas autant. C'est vraiment pas beaucoup, hein. J'ai fait que le premier jour possible à 10h et je suis en vague 2 chez Micromania. Et comme dit Miko, je serai en décembre. Ouais, c'est ça, normalement, c'est par là. Ouais. Kena, c'est peut-être l'un des titres. En vrai, c'est le titre qui m'a attiré le plus en exclusivité sur la console. Parce que Demon's Souls m'attire énormément. Mais je l'ai déjà fini sur PS3, donc je connais le jeu. Mais là, le jeu est d'une beauté de ouf, tu vois. Donc ça va être quand même une redécouverte de dingue. Et Spider-Man, c'est quand même une grosse mise à jour plus belle du jeu de base avec quand même du contenu en plus, mais voilà, on connaît un peu le jeu, c'est pas Spider-Man 2 non plus, donc ouais, Kena m'a attiré énormément, en tout cas il avait l'air dingue, mais il a été reporté effectivement. Oui, c'est ça, apparemment tu peux installer tes jeux en externe et y jouer dessus, je crois, c'est ça. En fait, c'est pas clair, je m'en souviens, parce que chez Xbox tu peux installer sur un externe. Et après, quand c'est un jeu série X, tu dois faire le transfert et y jouer, pas de souci. Ou un jeu normal, tu peux y jouer depuis ton disque dur externe. Mais sur PlayStation, je sais pas si tu peux jouer un jeu PS4, même installé sur un disque dur externe. Donc que les jeux PS4 quand même, ok. Bah comme sur série X au final. Sur série X aussi, pour bénéficier du coup du SSD et tout, tu dois transférer. Donc c'est pareil en fait. Ok. Après moi, en vrai, ça me gêne pas vraiment les 667 Go, vu que j'ai la fibre. Sur le Game Pass, je le faisais déjà, tu vois, j'installe, supprime. J'attends pas. Hello les gars, comment tu vas, Papa Orom? Ayant les deux consoles, l'interface de la PS5, clairement, au-dessus, la musique fait beaucoup aussi. C'est vrai, moi aussi, tu vois, j'ai la One X ici, là. Petite One X. Et pour le coup, c'est vrai que chez Xbox, ça marche bien, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais c'est clair, c'est la même interface que qu'on a sur la Xbox One. Donc on n'a pas du changement, tu vois. Pas grand chose. Je suis encore dans les menus. J'ai regardé ce qu'il y avait de nouveau. Là, on regardait les gigas. On parlait un peu de. Et puis on parle un peu des précommandes. Alors attendez. Jérémy, après j'ai un bon écran là chez Sony, donc parfait avec la PS4, mais j'aimerais bien un écran bien fluide qui permet le 120 FPS. Et elle fait pas la 4K. J'aurais plutôt parié sur la 3D. J'avais perdu. Non, la 3D, c'est. Pour le coup, c'est mort. Pour le coup, t'as aucun écran 4K 3D qui existe. Ça, c'est... Quand la 4K est sortie, 4K HDR, c'est devenu la nouvelle norme. Donc, ouais. Après, attention, le 120 FPS, tu vois, moi, je pense que ma télé a fait 60 FPS. Et je compte passer sur du 120 FPS plus tard. Mais en vrai, je vais pas le rusher tout de suite au 120 FPS, parce que, comme dit, pour l'instant, ça demande beaucoup de technologie, beaucoup de puissance. Pour l'instant, il y a que vraiment, en gros jeu, il y a Ori sur Xbox... mais qui est un jeu en 2D, mais qui fonctionne à 120 FPS 4K. Mais après, ça compte pas vraiment, parce que c'est un jeu de la ancienne génération qui a été upgrade.
Et sinon, en jeu, voilà, tu as Dirt 5 qui est en 120 FPS aussi. Mais le jeu est pas beau du tout parce que du coup, pour faire du 120 FPS, ils ont dégradé tous les. Tout ce qui est texture et tout, particules, est vraiment réduit pour pouvoir afficher du 120. Et donc, bah finalement, quitte à choisir, est-ce que tu joues à 120 mais pas très beau ou 60 next-gen, entre guillemets. Donc, le 120 FPS, tu vois, je pense qu'il sera bien d'ici un an, voire deux ans même. Donc, ça te laisse de temps d'acheter une télé dans un an ou deux pour le 120. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas rusher le 120 tout de suite. Hein. Quand tu vois que déjà le 4K 60 FPS, ils ont du mal à le faire. Donc, 120, attention. Force à ceux qui ont galère, ouais. Force à ceux pour, qui ont du mal. Faut utiliser le port USB à l'avant de la console. De quoi tu parles? Attendez, j'ai loupé plein de trucs là. Tu ne peux pas jouer au jeu PS5 que sur le SSD interne, mais tu peux jouer au jeu PS4 sur un disque dur externe. Ok, oui, d'accord, ok, c'est ça, c'est conseillé. Non, mais à l'époque, j'avais eu le choix entre 3D et 4K et t'avais choisi quand même 3D, ok. Si en fait la 4K ça marche, ouais. Ouais, c'est Nico, j'ai regardé hier ta vidéo, elle est top. Hein. Moi, j'ai appris des trucs. Hein. En plus, franchement, pour une première vidéo montée et tout, pas mal. Vraiment bien. Avec les effets et tout, c'est bien détaillé, bien schématisé, c'est clair. Mais c'est pour ça que je te dis, le 120 FPS, Jérémy, je sais pas si ça vaut le coup. Après, oui, un écran, par contre, tu trouveras un écran... 144 Hz pour jouer, mais après voilà, t'es pas en mode grosse télé, chill et tout. C'est pour ça que moi, tu vois, je t'ai dit, il y avait un léger marquage sur ma OLED. Je me dis, bon, bah au moins ça va justifier peut-être d'ici un an et demi le passage à du 120. Hein. Puis en plus, les télés 120, il y en a, mais vu qu'elles sont encore jeunes, d'ici un an ou deux, le temps que je passe, elles vont baisser, il y aura des meilleurs technos. Enfin, tu vois, moi je suis pas prêt. En vrai, le 120, je peux pas l'afficher sur ma télé, mais. Ça me dérange pas. Quand tu vois déjà qu'un jeu comme le Spider-Man ou des choses comme ça, déjà tu choisis déjà entre soi, tu fais du 4K 30 FPS ray tracing, donc tu sais, avec la réflexion dans les buildings et tout. Donc c'est à dire que là tu es du 4K 30 ray tracing ou alors du 4K dynamique, je crois, en 60 FPS, tu vois, sans ray tracing. Donc tu vois, déjà là il y a des jeux, ils sont déjà en train de choisir. Le 120 FPS, c'est pas pour tout de suite, hein. T'as vraiment le temps. Les consoles nous promettent toujours le 100 FPS, mais ils ne tiennent pas. Bah là, normalement, ils vont censer le promettre un peu plus, vu que technologiquement, il y a plus de puissance derrière, donc ils peuvent se le permettre. Mais ouais, mais de toute façon, ça va se démocratiser petit à petit. Hein. Après, ce que j'ai peur, c'est que tu vois, déjà, même sur un jeu comme Spider-Man, qui est cross-gen, ils sont encore en train de nous dire c'est soit du 4K 30 ray tracing ou 60 4K sans ray tracing. C'est à dire que tu pourras même pas avoir le 60, le 4K, le ray tracing. Ou alors faudra attendre quelques années le temps qu'ils optimisent tout ça, quoi. Les prix vont attendre. Ouais, après les prix vont toujours attendre, vont toujours baisser. Après c'est suivant l'attente de chacun, tu vois. Il y a plein d'évolutions avec le micro LED. Moi j'attends de voir ce que ça va. Oui, c'est vrai qu'il y a le micro LED qui est arrivé. Déjà il y a le QLED qui marche bien. Il y a les nano machin aussi là. Il y a trop de trucs, hein. Trop de trucs. Bah le OLED en vrai ça marche. C'est dommage cette technique. Cette... Après plus ça va, plus moins les écrans OLED marquent aussi. Donc t'as aussi ce fait là, le fait que la technologie évolue. Donc ouais. Ah d'accord, tu parles pour les disques durs, Cédric, je viens de voir. Ok, les disques durs avant. Disque dur, branche-le pas à l'arrière des PS4. De toute façon, j'ai pas branché disque dur en vrai. Pour l'instant, le disque dur, ça sert. Enfin, ça me sert pas. Comme je te dis, vu que j'ai la fibre, j'installe, je désinstalle. J'ai pas besoin. Bah, comme je te disais, le QLED OLED. Le OLED, t'auras des noirs plus profonds. Et je crois que le QLED peut peut-être s'en sortir mieux sur des hautes lumières. Sur la différence des couleurs sur les hautes lumières. Ça va être quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue cinéma, purement cinéma, le OLED va être plus saisissant. Parce qu'il va te donner, du coup, comme je te dis, les bandes vont être complètement noires sur ton écran. Et les noirs vont être plus profonds, plus... voilà. Donc sur du cinéma, le OLED sera toujours le mieux.
Le QLED, après, c'est le meilleur compromis. Après, ça peut être aussi cher que du OLED, hein, pour le coup. Mais c'est peut-être la dalle à peut-être mieux vieillir. Peut-être mieux adapté aussi à la télé. Tu peux être tranquille quand tu fais la télé, quand tu regardes un film aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, le pic de luminosité est plus marquant que sur le QLED, c'est ça. Donc après, ça dépend de ton point de vue. Si c'est purement que cinéma, le OLED, si c'est pour tout le reste, le QLED, sur le papier, est mieux. Et puis, t'as, voilà. Parce que je te dis, moi, le OLED, moi, je te vendrais le OLED parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Mais c'est aussi, malheureusement, celui-là qui marque le plus. Voilà. Nicolas, on est tout début, il va y avoir de l'optimisation même au niveau du ray tracing, mais ce qui est le plus important, c'est au niveau du framerate, qui est stable, si c'est possible, un bon 60, ok, sinon 30 c'est mieux. Oui, bah oui, oui, ça c'est sûr. Vaut mieux un 30 qui bouge pas qu'à un 60 qui oscille, et là tu ressens les variations, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça serait bien une technologie un peu similaire au DLSS là, de Nvidia, ça serait cool d'avoir ça sur console, mais je sais pas si c'est possible. J'ai vu que chez Xbox, il y a peut-être des histoires avec le RDNA 2, du coup, et une techno. J'ai pas trop compris. Enfin, c'est encore vague, tout ça. On sait pas entre ce que les gens disent et les autres disent. J'ai vu TV LED rétro-éclairé 4K HDR. Oui, 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 il y en a des TV LED rétro-éclairé aussi, c'est vrai. Il n'y a pas que le QLED, tout ça. Hein. Bon, allez, on va peut-être lancer un jeu, là, depuis tout à l'heure, je suis dans les menus. Non, du coup, je voulais regarder s'il y avait des voilà, tout désactivé parce que je suis sur mon écran d'ordi. Donc c'est normal. Ça, je verrai tout ça sur ma télé après. Je voulais regarder. Il y a pas les thèmes dynamiques, des trucs comme ça. On m'a dit que c'était plus tard, c'est ça? Personnalisation. C'est vrai qu'il n'y a pas tout ça. On peut pas personnaliser encore l'affichage, le truc. Vas-y Théo, ouais, même si c'est... De toute façon, j'ai même vu un mec, il l'avait mis dans l'eau. Hein. Je sais pas si vous avez vu, le mec a mis la PS5 dans son bain, là. Bon. Je suis passé du QLED au OLED, franchement, sur Red Dead Redemption 2 ou Forza de nuit. La différence est vraiment marquante. Bah oui, voilà. Oui, c'est plus immersif, c'est sûr. Mais comme je te dis, le OLED, il y a le problème de marquage, en fait, Papa Rob. C'est le risque qu'on peut avoir sur cette télé. C'est que tu payes tes télés une fortune et au final elle s'abîme potentiellement plus vite que d'autres. Tout que le ray tracing rend les reflets réalistes mais pas forcément plus beaux. Oui, tu trouves que dans Devil May Cry c'est pas beau, mais par contre dans Demon's Souls c'est plus joli alors que c'est des lumières artificielles, c'est vrai. Moi, sur mon écran, des fois, j'ai des couleurs chaudes quand ça passe d'une image à une autre. Est-ce que déjà, est-ce que t'as déjà tout désactivé dans les options sur ta télé, genre les motion blur, les teintes, les tout. Moi, je mets tout à zéro, je mets aucune teinte, aucun truc, pour pas que t'aies déjà de rendu, de modification, tu vois. Si tu as compris comment marche Unreal 5, il va y avoir des rendus impressionnants avec des framerates stables, car tout le temps le nombre de polygones à l'écran. Ah oui, le fait que ça s'adapte, oui j'ai vu ce qu'on appelle le streaming de textures, non, je crois qu'un truc comme ça. Ce qui fait qu'en fait maintenant tu peux afficher des hautes résolutions plus facilement qu'avant. Et du coup ça, en fait, parce qu'avant à la main les gens devaient créer toutes les différences, toutes les formes de polygones. Par exemple, une manette, il fallait qu'elle soit en haute qualité de près, donc créer avec tous ces polygones-là, et de loin, créer des polygones plus simples pour l'afficher, mais plus simple, c'est ça à peu près. Et en fait, le Unreal 5 travaille tout seul et crée des polarisations plus simples à distance, et du coup, déjà, il y a un gain de temps au niveau de dev et un gain de temps de puissance, je pense, pendant que le moteur tourne. C'est ça que tu parles, Nicolas, je suis pas sûr de comprendre. Ça met à jour Marvel, ok. Ouais, mais l'OLED résiste mieux au choc, je crois, par rapport au LCD. Si on a des enfants ou un chat dissident, c'est utile, c'est vrai. Astrobot, Demon's Soul,
Remake utilise le Global Elimination. Je sais pas, je sais pas. Oui, mais c'est pas un truc comme ça, Nicolas, c'est pas... Mais si, ils avaient parlé d'un système où, en fait, normalement, un objet, il fallait le créer avec plusieurs textures, c'est pas ça? Enfin, pas texture, mais polygone. T'avais la version... tous les polygones bien lisses pour que ça fasse voilà, très très propre. Mais de loin, vu que c'était loin, on pouvait réduire les polygones pour prendre moins de puissance. Et machin, sauf qu'à l'époque, c'était les mecs qui devaient faire ça. À la main, ils devaient faire tous les degrés de... Bon, c'est un truc comme ça, un charabia de dev. Mais je pense que dans l'idée, ça doit être ça, comme tu dis, mais voilà. Dans le fond, peut-être pas tout à fait. Je file bosser, bon live à vous les gars, et force à toi Dimeco. Merci à toi en tout cas, Papa Rome, et j'espère à bientôt. Bon allez, on va lancer Astro, je vais m'asseoir. Oui c'est ça, oui. Oui oui, non mais c'est un vrai truc que je dis, mais après est-ce que c'est ça qui parlait tout de suite, je sais pas. On va baisser le bureau. Oh! Il faut que je suive le bureau. Ça c'est quand t'as le bureau debout, c'est le risque. Regardez ça, la technologie. Hop. Et voilà, on est assis, tranquillou. On va recadrer un petit peu. Astrobot, oui, c'est comme Ray Tracing, ça demande moins de ressources. Ah oui, oui, tu parles de la Global Elimination. Bon, ok, bon, ça c'est bon, on a tout fait, on va tester du coup. Ça, c'est le Share Factory. Eh, ils l'ont gardé. Ah, c'est marrant. Ils ont gardé le Share Factory. Ça, c'est ce qui permet de partager, du coup, les séquences de jeu. Bon, allez, on lance ça. C'est parti. On va voir la rapidité de lancement. Bon, vu qu'on est chez Sony, on va mettre un petit peu de bleu, quand même. Ok, Nicolas, ok. Parce que Nicolas s'y connaît parce qu'il travaille dans le dev. Oh, la manette, elle tremble. Attendez, je vais mettre un peu plus large. C'est la fête là. Astro. Donc là je teste les vibrations. C'est perturbant, hein. Ça tremble partout. En vrai, niveau musique, Astro c'est pas mal, hein. Déjà dans le menu d'intro, je trouve ça cool. Alors, cette expérience est conçue pour vous présenter les incroyables capacités de la nouvelle manette sans fil DualSense. Prêt à rejoindre Astro pour une aventure au cœur de votre PS1, c'est parti! Let's go! Oh, la PS1! PS2! PS3! PS4! PSVR! Découvrez la manette sans fil DualSense. Oh, ça vibre! Attendez, je vais tweeter le fait que je suis en live avec vous. Petite photo. Attends, c'est où? C'est là! C'est là! Hop! On fait. Je fais tout devant vous. Pour dire aux gens qu'on est parti sur Astro. En vrai, je trouve que la BO du jeu est cool, hein. En vrai, je trouve ça bien. Hop.
On partage ça. Allez, je tweet. Comment ça marche le menu PlayStation? Ah, ok. Hop, désolé, hein. Je partage juste le petit lien. Partager, copier, et voilà. Alors, ça reste dans la tête, cette physique est bien cool, je trouve. Ouais, bah pour l'instant, j'ai les vibrations, elles sont vraiment localisées. C'est-à-dire que des fois, tu vois, là, je vous la montre, la manette. Des fois, ça passe là, ça vibre là, après, ça remonte. Et en fait, tout à l'heure, là, quand il y avait les objets qui passaient à gauche ou à droite de nous, on avait du coup les vibrations qui se matérialisaient au moment où les objets passaient, en fait. Donc, c'était saisissant, on a l'impression que l'objet continuait à côté de nous. Réalité augmentée, quoi, c'était vraiment bien fait. Allez, go. Donc, cachette adaptative. Ah ouais, en vrai, c'est perturbant, en vrai. J'ai l'impression que j'appuie sur du sable. Ah ouais, faut appuyer fort. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, vous avez une course. C'est-à-dire que là... Ouais, là, vous voyez bien. C'est-à-dire que là, quand j'appuie, je peux plus aller plus loin, et après, faut forcer, et là, ça passe. Là, j'appuie, et là, ça passe, tu vois. C'est en plusieurs étapes, comme ça. 1, 2, c'est bizarre. Mais ça marche trop bien, en vrai. Ok, faut juste appuyer. Pavé tactile. Bon, là, du coup, on a le pavé tactile traditionnel, qui, en plus, vibre le doigt. On a un petit retour haptique, ce qui fait que en fait on sent le... On a l'impression qu'on déplace vraiment du sable, quoi. Bon, ça marche bien. Capteur de mouvement. Donc là c'est traditionnel. Je sais pas si vous entendez les sons. Ah, on les sent se dépasser, c'est-à-dire que là, vu que je l'incline par là, je sens que les petits personnages sont en bas là. Et si je fais ça, je sens les personnages qui glissent et qui vont là. En fait, on sent qu'il y a des objets dedans. Je sais pas si vous entendez le son. C'est pas trop fort le son du jeu? Je sais pas si c'est trop fort. Dites-moi si le son du jeu est trop fort ou pas, hein, sinon je peux baisser un petit peu. Ça doit être utilisé en fonction des jeux et la possibilité de capter. Ouais, bah j'espère. C'est ça le problème, c'est qu'après, ça soit bien utilisé. Microphone. Ah, on peut souffler. Ok. Je peux baisser le son, hein, pas de soucis, dites-moi. C'est mieux le son, là? Dites-moi si c'est mieux le son, là. Par rapport à la voix aussi, si elle ressort bien ou pas, ma voix à côté. N'hésitez pas à dire. Ouais, j'ai envoyé le petit astro. Là, j'ai baissé un peu normalement le son du jeu. Ok. Donc là, on se déplace normal. Attendez, je vais mettre peut-être la caméra un peu plus pour voir la manette. Ah, il me fait coucou. Là c'est marrant, c'est qu'à chaque pas j'entends un petit clic cliquetis. Enfin ça fait clic clic clic, mais dans la manette. Ça tape en fait à chaque fois dans la manette. C'est bien fait, hein.
En fait, je sens les pas du personnage. C'est tout con, mais... Oh. Ah, on peut faire un peu de... On peut voler comme ça. Ok. Ok. En plus, vous avez un son qui ressort de la manette en plus. Regardez. Vous entendez? Vous avez un son de métal. Ce qui augmente encore plus la... l'immersion, quoi. Marche bien. Pour l'instant, c'est plutôt saisissant. Ok. Ça s'attrape, à mon avis. Ça marche bien, hein. Waouh, regardez-moi ce niveau. Beautiful. Oh, la PS1. Place du CPU. Ah ouais. En fait, on est dans la console, regardez. Ça, c'est la PS4. Je sais pas si vous reconnaissez de l'intérieur. Ah ouais, donc là, ça c'est les composants de la console, quoi. Mais du coup, ce qui voudrait dire que elle serait rétro-compatible. Si une PS1 peut être est présent dans la PS5. C'est perturbant la manette, hein, je vous le dis. Station climatique, ok. Ouais, les petits effets de particules là. Labo PlayStation. Je suis curieux d'aller voir là-bas, moi, le labo. On va attraper ça. C'est perturbant en vrai, les vibrations, c'est dommage, vous pouvez pas ressentir ça. Ouah, c'est quoi ça? C'est joli, hein. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Yo, comment tu vas, petit Olivier? Ah, mais le voilà, la PS5 de Numéco, exactement. Ouais, ouais, on regarde, je découvre le jeu, là. C'est vraiment super, les sensations. Hein. Pour l'instant, j'ai juste fait les premiers instants sur Astro. C'est dingue. Ça marche vraiment bien. C'est joli, les particules, les effets de lumière, là. Je sais pas si... Je sais pas où t'en es, toi, si t'as beaucoup joué. C'est vraiment joli. Je suis au boulot, lol. Je serai plus heureux ce soir en rentrant. Ouais, je t'ai vu hier, t'as fait du Spider-Man. C'était vraiment cool. J'ai pas tout regardé parce que je vais pas me faire spoiler, tu vois. Mais j'ai vu que tu l'avais sur Spider-Man. Et là, c'est quoi ici? Deux Spider-Man, 2 Demon Soul, 2 Sackboy. Ah oui, j'ai vu en plus. Moi, Sackboy m'attire pas des masses pour l'instant, tu vois. Bon, on va tester le premier niveau. C'est lequel le premier niveau? Je sais pas trop ce qu'il faut faire en fait en premier. On va tester ça. Jungle du CPU. Oh, ça va vite. Ouah, c'est fast! Je sais pas ce qu'il faut faire. Je
Je sais pas si vous trouvez ça joli, mais en vrai... Après, là, vous êtes en 1080p, hein. Petite musique. Oh, regardez! C'est qui, ça? Vous reconnaissez? Atrebo, c'est la grosse expérience de Alsen, Spider-Man, c'est la grosse expérience de fluidité, Demon Souls, c'est la grosse expérience graphique. Il y en a pour tous les goûts. Pour tout le monde, c'est vrai. C'est Crash, ouais, Crash. Avec le petit caméraman là. Oui, vas-y. Attendez, j'ai envie de tester un truc là. Est-ce que c'est du ray tracing qu'on a sur le Astro ou c'est du faux truc? C'est pas de la vraie réflexion là qu'on a. Tu vois là, je me mets devant un arbre, il n'y a pas l'arbre. Là, il n'y a pas du vrai ray tracing par contre. Non, les jeux PS3 marchent pas sur PS5. Faut pas. Il y a des petits lapins là. Là on a quoi là? Et ça vous reconnaissez ou pas? En plus sur PSP. Par contre tu peux mettre les jeux PS4 sur PS5. Là on est sur du Monster Hunter. En plus sur PSP, donc c'est vraiment les origines du titre. Hein. Là où il a été en tout cas le plus joué. En fait, c'est... On traverse l'histoire de PlayStation à travers ce jeu. En vrai, j'aime beaucoup. Il y a un beau feeling. Parce que là, en fait, vous sentez pas vraiment. Vous avez que le rendu visuel. Mais... La moitié de l'expérience se passe dans la manette là. Oh oui, ma meilleure expérience Next Gen, c'est Death Stranding en 4K DLSS sur RTX 3070. Impressionnant, j'ai déjà vu ça. Ah ouais, bah oui, Pity, il faudrait que tu fasses une vidéo sur Death Stranding qui pour moi aussi un gros cœur, regarde. Là, c'est du Death Stranding là, l'affiche, je sais pas si tu vois. Génial ce jeu, génial. Et en plus, moi ce que j'ai hâte, c'est qu'il fasse du coup une mise à jour DualSense avec les. T'imagines la capacité de pouvoir avoir déjà la force avec les gâchettes adaptatives sur les. Tu sais, quand Sam Porter il est comme ça là, gauche-droite, ou alors les textures, la boue, l'herbe, le sable, l'eau. En vrai, ça serait génial. Je peux pas imaginer que Kojima ne songe pas à faire un patch Death Stranding DualSense. Mise à jour, c'est vrai, même moi le nombre d'heures que j'ai passé sur Death Stranding. Ma première heure, j'ai fait 130 heures, ma première run. T'imagines? J'avais tout construit, tout était construit à fond. En vrai, le jeu, il est quali de ouf. Hein. Les textures, c'est tellement joli. Ça fait très Mario quand même. Ça marche bien. Faire quoi là? Ah, il faut charger le point. En vrai, ça vibre de partout. Ouh, le petit bruit à la Zelda là. Et même là, il y a un petit bruit qui sort. Et on a la souplesse de la corde. C'est ça.
En vrai, je peux pas imaginer que Kojima ne travaille pas sur sur ça. Oh, regardez le câble. En fait, c'est un câble manette PS1. Où je suis. Oh, Cédric. Gros joueur. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai le HD 60... S, je crois. Et encore, je pense que je pourrais même l'optimiser. La capture. Je sais pas c'est quoi le maximum en débit qu'on peut mettre sur... sur YouTube. Tiens, en bitrate, je sais pas combien on peut mettre... Le premier du long list. Tiens, on va regarder comment ça s'affiche, les trophées. Oh, les trophées s'affichent comme ça. Ça, c'est trop bien. Les trophées s'affichent. On n'a plus à quitter pour avoir les trophées. Enfin, en tout cas, le trophée qu'on a eu. Et si je clique, par contre, bah là, ça affiche les trophées, bien sûr, sur le menu. Mais on revient aussi vite, quoi. Oh, c'est génial. Non, là, je suis pas en 4K, Michael. Vu que je stream en 1080p, je suis sur une résolution 1080p sur mon écran d'ordinateur. Dans l'idée, faudrait acheter un boîtier. Il faudrait que j'achète un boîtier en 4K 60 pour pouvoir proposer du coup un gameplay en 4K. Ça serait vraiment top, ça. Et mais quand je marche, c'est trop bien. Ça vibre tout le temps. Je sais pas si vous entendez, regardez le bruit. Le bruit de métal là. Ça marche très très bien, ouais. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il se prend des raclés le gars. Et le niveau il est vaste, il y en a partout. Il y en a partout. Là il faut souffler, vous voyez. En vrai ça marche très 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 bien. Oh la momie. Ça c'est qui ça? C'est une référence à quoi ça? Castlevania? C'est ça hein. Salut petit Yo, comment tu vas? Oh! PS Move! Génial le PS Move en vrai. Je sais même pas s'il est compatible le PS Move avec la PS5, je crois pas hein. C'est bien fait, ils sont allés jusqu'au bout, regardez. Il y a tous les mots, enfin tous les codes, tous les... Top. Haha, oui, c'est vrai, super Radio Geek de prévu, hein. Ça se casse, ça, le mur. Oh! En fait, ça, c'est les paroles de la chanson, ça. GPU. Bah c'est moi qui t'attends, pitié, invite-moi. Aïe aïe aïe. Ça c'est les paroles de la chanson en fait. GPU. Je vais me rendre compte.
Tu vas en haut là. En vrai, c'est stylé ce qu'ils ont fait. Hein. Ça marche trop bien. Hein. J'aime trop les petits bruits, regardez. Vous entendez le petit bruit ou pas? Petit bruit d'eau. Ça marche trop bien. Alors ça, c'est quoi comme jeu, ça? Ah, ça c'est Aloy. Regardez avec son arc. Aloy de Horizon. Le lapin, il est là. Il est caché. Et je me suis pris une flèche dans les fesses, hein, regardez. Elle me touche. Tu utilises le lecteur à distance, comment ça? Si le PS Move est compatible avec le PS5, 3D Roller aussi. 3D Roller aussi. Ah d'accord, si c'est compatible, ok. Elle fait son job tirer sur des machines. Ça c'est bon, ça c'est bon. Oh regardez un dino. Oh le dino. Ça c'est quoi comme jeu par contre? C'est quoi ce jeu? Là je vois pas la référence. Ah c'est lui qui chante là-haut, regardez. C'est lui qui chante. En vrai l'ambiance elle est trop bien faite. En fait on se sent bien dans cet univers je trouve. J'aime trop. J'aime trop. Ça marche trop bien en vrai. Tu vois plein de références que personne n'a vu. Ah bon? Les gens n'ont pas vu tout ça? Après je prends mon temps en fait. Je prends vraiment mon temps. Ah oui, c'est la démo de la PS1. Mais oui, d'accord, je vois. La démo technique, ok. Tu crois que c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça en fait, t'as complètement raison. C'est vrai, Ogami, ouais, bah Ogami et Coq, c'est vrai, c'est ça. Allez, go. Ça, c'est avec les ça en fait, ça, tu vois, ça représente les gâchettes, ça. C'est les gâchettes qu'on a là. JPU. Ça, c'est quoi comme jeu, ça? Ah, ça, c'est The Last of Us. Bah oui, regardez. On a Ellie et Joël avec le marteau et la brique. Enfin, avec la brique, pardon. Et le petit sac là. Chut, chut. Et là, regardez avec les champignons là. Avec les champignons sur la tête. Vas-y, je tue le zombie moi. Ouais, il y avait une vraie mentale. Ouais, c'est vrai dans la démo. En vrai, le feeling de la manette, mais c'est vraiment ouf. J'ai dit pas ça pour faire des caisses. Hein. C'est pour le coup, c'était un truc que j'étais un peu en mode ouais, les gens ils en font trop. Mais en vrai, ça marche très bien. Oula oula oula. J'ai tout fait là. Ouais j'ai tout fait. En fait on a envie de compléter tout le jeu. Ah j'ai oublié un truc là. C'était qui ça? Oh regardez c'est quoi ça.
Tu as le casque? Non, non, j'ai pas pris de casque. Parce que je joue avec des écouteurs tout simple, moi j'aime bien. Ou alors avec le son de la télé, vu que j'ai une... J'ai un petit home cinéma, tu vois, sur la télé. Ça devrait être au Game Award. Mais en vrai, l'expérience marche très bien. Là, on a Bloodborne, t'as vu. Avec le mode photo, là. C'est quoi ton PSN? Bah, c'est Nimeco, simplement. Tu l'écris comme écrit en haut à droite du stream, là. N-Y-M-E-K-O. Oh, j'arrive plus à monter, attends. Ah oui, mais c'est parce que j'utilise pas le... J'ai pas le réflexe d'avoir des boosts. Et voilà. Marche du tonnerre. Franchement, c'est super bien fait. Alors attendez, j'aimerais bien casser ça. Il doit y avoir quelque chose à envoyer. Pour pouvoir casser, c'est... Alors, je peux. Est-ce que je peux peut-être y aller en volant? Ah bah, je suis mort. Ok. Faut que tu. Faut que je t'ajoute. Ouais, ouais, bah, ajoutez-moi. Limite, on va voir comment ça s'affiche si vous m'ajoutez en live. Ah, il fallait que j'envoie ça! Non? Dans les trucs. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'ils sont pas dans les Game Awards. Bah merci à toi, Ogami Taisho. Fait plaisir. Je me rappelle qu'il y avait plein de gens au départ qui disaient que c'était du bullshit marketing, mais qu'au final... Mais au final, ces mêmes joueurs disent le contraire. Mais moi, au départ, j'étais le premier à dire... Oula, c'est un peu bizarre. Comment ils peuvent rendre ça si bien? Enfin, tu vois... J'étais un peu réticent à la base sur cette DualSense en vrai. Je me dis c'est pas possible. Et au final, bah voilà. Je peux vous le dire, ça marche vraiment. Et je suis plutôt content au final parce que c'était vraiment sur le point à laquelle je voulais avoir. Bah je voulais être surpris. Et pour le coup, ils ont vraiment réussi. Ah, c'est ça qu'il faut l'enserrer. Ok. En fait, je lance des. Comment ça s'appelle? Des fusibles. Un petit peu. C'est le genre de fusil PlayStation. Hop. Ah, regardez, j'ai reçu la... Une demande, là. Vous avez vu comment ça s'affiche, du coup? En vrai, ça marche bien, hein. Ouf. De toute façon, je fais en vrai Ogami, je vais faire juste ce niveau et après je vais arrêter pour l'instant. Je vais pas tout faire. Le but aussi, c'est que les gens le découvrent. Après, je pense que je referai des lives dans la semaine, notamment sur Demon's Soul et tout. Je pense que ça peut vraiment être cool de faire des petits lives en soirée. De toute façon, j'avais dit hier, vu que ça s'est bien passé hier le live, au final, j'avais pas du tout déballé la PlayStation. Je vais faire des lives un peu plus souvent sur ma chaîne YouTube, plusieurs fois par semaine. Pour jouer, pour parler, pour échanger aussi de l'actualité. Je pense que ça peut vraiment être cool. Là on a quoi comme jeu là? Là on a Uncharted, regardez. Je sais pas si vous voyez la qualité des textures sur le mur là. Ça rend vraiment vraiment bien. J'essaie de monter dans l'avion. Oula. On peut faire des dégâts avec ça. Avec le petit. Ouais, c'est ça. J'ai Bibi de FF9. Là, on est sur quel jeu là? Ah, là, regarde là, on est sur Astro Vert là. Et là-bas, on a quoi? Regardez là-bas, on a quoi? Il essaie de monter, je sais pas ce qu'il faut. Je cherche les trucs cachés, moi. Chippy-ou.
Oula, 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 oula. Waouh. J'ai pris une pile dans la tête, dans la tronche. Enfin non, un condensateur, je crois que c'était. Je sais que c'est en quelque sorte, ça allait pas être bullshit. C'est comme la Switch qui, pour certains, l'est bidée commercialement, mais qui a explosé, c'est vrai. J'ai reçu toutes vos invites. Ah là, il faut vite en profiter. Je sais pas combien de temps ils durent les niveaux. Ouh. Attends, il doit y avoir un truc là. Si on peut aller ici, c'est qu'il doit y avoir un truc. Ah, voilà. Nouvel artefact. Oh. Ça, c'est une référence à Tear Away. Et ça, c'est un jeu, du coup, PS Vita. En vrai, c'est stylé, ça retrace vraiment l'histoire de... de PlayStation, quoi. En vrai, c'est un beau jeu, hein. Sony doit être fier, quand même, de... d'avoir ce genre de jeu. Parce que... c'est vraiment super, ouais. Ouh. GPU. Ascension du graphisme. Attention. C'est quoi ça? Oh, fermeture éclair. Regardez. Oh, l'upgrade. Comment c'est perturbant? Les gâchettes adaptatives, c'est perturbant. Ah, c'est perturbant en vrai. Ah, je sais pas si je vais dire que j'aime bien, mais... c'est tellement bien fait. On a l'impression vraiment de... crocher quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Wow. Wow, le feedback, il est dingue. En vrai, quand on teste ça, on se dit espérons qu'il utilise. Tu vois, espérons qu'il utilise. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs là. Ouh. Ok. Tu t'es passé sur la corde ou pas? Ok. Ah ouais, pour le coup, c'est vraiment différent. Wow. Ça marche bien. Oula. Oula, oula. Ah, pour le coup, c'est... les joueurs PC... qui peuvent pas avoir, du coup, les exclusivités Sony... vont vraiment avoir une expérience au-delà... de... gaming, enfin au-delà du jeu, je veux dire, on va avoir une immersion différente du clavier et ça donne vraiment un intérêt à la manette qui n'est pas juste pour le coup un contrôleur, enfin c'est un contrôleur et qui te donne tellement de feedback maintenant. Déjà de base, un clavier, tu n'avais pas le côté analogique sur un clavier, tu vois, c'était toujours du on-off, ça permet déjà de te procurer. Ninja Bot, regardez, il joue sur PS3. PS4. Ça marche plus votre console, ça marche plus. Comment je peux monter là? Il me semble que PlayStation a mis à disposition des outils pour les développeurs pouvoir utiliser. Ouais, j'espère, j'espère. Franchement, ça peut changer le game. Ouh. Attendez, on a quoi comme jeu là-haut? Regardez, on a Lara Croft là-haut. Trop stylé. J'aime bien regarder les...
les références au jeu, aux autres jeux. Et je vous dis, à chaque fois que je fais un coup, à chaque fois que je marche quelque part, il y a une vibration différente suivant la surface. C'est vraiment bien, bien fait. Il y a de la vibration, il y a des petits sons qui sortent là. C'est subtil en fait. Là, on a quoi comme jeu là? On a Demon Souls. Regardez, c'est Demon Souls. Réveille-toi, toi. C'est bien animé en plus ça. Tu peux couper la musique stoppée pour entendre son. C'est quoi? Ah ok. Ah d'accord, apparemment le Call of Duty il est dingue. En termes de. Bah ça c'est cool tu vois, parce que c'est un jeu éditeur tiers quoi. Après bon il y a un partenariat avec Sony quand même, mais c'est cool. J'ai oublié les petites pièces là. C'est vrai, c'est vrai. Là, je peux juste couper, regarde, pendant 2 secondes. Regarde. Je sais pas si t'entends. Là, t'as les petits sons. Quand tu tapes, ça fait des petits bruits. Je sais pas si on entend bien aussi au micro. Quand tu marches sur la ferraille aussi, ça fait des tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ah oui, bah de toute façon, c'est Nicolas Doucet ouais, qui est en tête de ça. Oh, regardez ça. Ça, c'est le processeur que j'ai. Le premier de la V1. De la PSVR. Et vous voyez, ce qui est bien fait, c'est que du coup, je déplace l'objet en déplaçant... Bon, ça, on l'avait déjà sur la génération d'avant. On peut interagir aussi avec... Qui sait ce qui se passe dedans? GPU. Regardez, il chante derrière le gars. Regarde-le. T'imagines si le GPU de la PS5 était comme ça? Il se tape des délires en fait. Oh là-haut, regardez! Shadow of Colossus! Super chaud ça. Super titre ça, Shadow of Colossus. Astrobot est dans le chat, t'as vu. En vrai, je pensais pas que le jeu allait être aussi agréable à jouer. Oh non, me dis pas que c'est... Me dis pas que c'est... Mon jeu de cœur, The Order, présent dans Astro. Aïe aïe aïe. Il faut une suite. Mais malheureusement, bon, Ready at Dawn pour l'instant est chez Facebook, mais s'ils l'ont mis là, c'est que peut-être pouvons-nous un jour espérer une suite à The Order. Ça serait tellement bien, ça serait tellement bien. Oula! Ah oui, en fait, c'est moi qui casse les cristaux avec... avec mon laser. Putain, la musique elle va rester en tête. Hein. Là, on a quoi comme jeu, là? Ah oui, attendez, on va pouvoir aller là. Oh, c'est quoi le jeu là? Ah, c'est Jak and Daxter, regardez.
Jack and Daxter. Super. Boum. Oh. C'est très Mario là. Avec la chenille qui tourne là. Regardez, je vais la niquer quand elle passe. Hop là. Laserifié. T'aimerais toi un autre Jack and Daxter? C'est vrai que ça pourrait être stylé, hein. Avec les capacités plus visuelles maintenant, il pourrait être comme Kena. Tu vois, genre Kena qui avait été annoncé, qui était pratiquement un film d'animation, machin. Il pourrait faire un film très tellement beau. Salut Chloé, j'avais pas vu, désolé, comment tu vas? Oui, oui, c'est ça, Ready Adam, pour l'instant, il travaille pour Facebook. Sur la VR de Facebook. Oh! Oh! Regardez ça. La belle PS Vita, malheureusement. Qui n'a pas eu le succès escompté. Mais une super machine. Surpuissante, en vrai. Hein. Trop en avance en son temps, je pense. Comme on aime le dire. Avec son magnifique écran LED. Et son pavé tactile, en plus il y a un pavé tactile devant et avant et arrière. Arfufu follé, bah tiens. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai débloqué l'arc. Justement, Arfufu follé, eh bien... C'est une dinguerie en vrai. Je faisais partie de ceux qui étaient réticents à la base en disant ouais bon, la technologie DualSense c'est un peu too much peut-être. Et en vrai ça marche mais du tonnerre. Mais vraiment, c'est vraiment super. Et franchement, hein, quand c'est pas bien je le dis. Hein. Et ben franchement ça marche très très bien. T'as des vibrations partout, suivant les textures, les sensations. Les gâchettes là, à retour de force, mais c'est assez, c'est perturbant, hein, je te le dis, hein, c'est pas comparable en fait. T'as les petits sons qui sortent aussi en même temps, qui contribuent du coup à l'immersion. T'as un micro qui capte aussi, enfin, franchement, en tout cas sur Astro, après c'est le jeu qui te pousse, qui te montre la prouesse technique de la manette, tu vois. Donc le jeu va tout te faire dans, voilà, dans les conditions parfaites. Mais pour l'instant, ça marche très 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 bien. Et c'est ce que je dis, c'est que j'espère que ça va être exploité partout parce que franchement, il y a quelque chose de puissant là. Hein. Comment je tire là? Ah, il faut que je lâche la gâchette? Ok. Mais franchement, ça marche trop trop bien. Éprouvant, comment ça éprouvant? Les gâchettes dures, vous parlez? Mais en fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, sur la bazette, vous voyez, en fait, la gâchette, au début, il y a un petit peu de jeu, mais très peu. Donc au début, tu te dis, bah, je vais appuyer, et en fait, là, c'est dur, et d'un coup, en fait, il y a de la force, là, faut forcer. En fait, on a raison. Pour moi, j'aurais tendance à dire, c'est comme si vous mettez vos doigts dans du sable. Vous savez, dans du sable, au début c'est facile et plus tu y vas, plus c'est dur. Mais t'avances quand même, c'est un peu bizarre. Mais c'est vraiment bien fait. Alors après, à voir à force si ça va pas s'abîmer, ça je sais pas. Mais en tout cas, marche très 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 bien. Les vibrations, non, parce que c'est des vibrations. C'est pas de la vibration. Tu sais, genre c'est pas. C'est pas comme à l'époque, c'est pas on-off et c'est à fond tout. Voilà. Non, là, c'est très subtil. J'allais dire, c'est comme si on te caressait la main, un peu bizarre, mais tu vois, genre, c'est... Non, c'est vraiment pas dérangeant. Genre, tu vois, là, quand je marche sur la surface un petit peu métallique, chaque pas, tu vas avoir un petit ting, 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 à droite ou à gauche, suivant le pas que tu fais. Et ce qui fait que ça contribue à la sensation que tu marches sur du métal. Un peu bizarre, parce que du coup tu as le son qui sort de là, en même temps que les petits clics 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 de la vibration. Et tu sens que tu marches sur ce matériau.
pour te dire, même pour aller plus loin dans l'analyse, on pourrait même limite faire des jeux où t'es aveugle, où t'sais, genre, tu n'as pas la vision, mais tu pourrais ressentir carrément la texture, parce que là, tu vois, là, je sais clairement que je marche sur du métal, et là, le bois, c'est pas du tout la même chose. La vibration, elle est plus brute. Là, elle est plus ting 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 comme du métal. C'est un peu bizarre à expliquer. En fait, je peux pas expliquer à la voix, tu vois. Mais le ressenti, en tout cas, il est palpable. Hein. On sent vraiment qu'il y a une différence. Et ça, c'est cool. Oh, il s'est barré au dernier moment, le. Et il se cache au moment où je les vise. Ah, c'est bon. Oh là, il y a des ballons là. Et même là, vous voyez, au final, bon, ça, on l'a déjà sur les autres consoles. Hein. Et genre, je vise. Le fait de garder la flèche tendue, je sens que j'ai une force à exercer quand même sur la gâchette. Qui là, pour le coup, peut être un peu éprouvante. Mais c'est le but, c'est que là, je dois forcer quand même, tu vois. Je dois forcer, appuyer. Et je sens que ça vibre un petit peu. Et c'est dur. Et tu vois, je peux diriger avec la manette comme ça. Et là, quand je lâche, bah voilà. Du coup, ça marche bien en vrai. Genre là, on est sûr que Horizon 2, un jeu qui utilise l'arc... Ouh, je suis mort. Un jeu qui utilise l'arc, ainsi que le... Bah, tu sais, le fait qu'on grimpe sur les robots et tout, t'auras... Enfin, j'ose espérer... Une super sensation au niveau des retours haptiques que de la manette. Non mais en vrai ça marche bien. C'est ça qui est dommage, c'est sûr Sony en vrai, ça serait pas la crise sanitaire, ils auraient déjà fait essayer les consoles, tu sais, dans des... Bah, déjà au Micromania, des choses comme ça. Hein. Parce que je pense que c'est une technologie qui doit s'essayer. Mais là, malheureusement, on peut pas trop la faire essayer, quoi. Bon, attends, faut que je me concentre parce que bon, c'est quand même un jeu difficile, hein. Tu vois, là, ça fait une demi-heure qu'on entend la musique. J'aime bien encore. GPU. En vrai, ça marche vraiment bien. Oula. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il tire dessus? Il est fatigué. Ah là, ok, j'avais pas vu, il y a des grenades là. Oh le noob! Oh le noob, j'aurais regardé le décor moi! Là. Ouh, il est énervé! Oh les esquives! Oh! Oh, sur le museau. Oh non, mais le noob. Et voilà. Si nous pouvons se nier d'avoir intégré ce jeu direct dans la console. Ouais, franchement, super. En plus, c'est ce que je dis, tu vois, ça retrace l'histoire de Sony. Depuis le début, on a vu tellement de références pour l'instant, ça fait tellement... Enfin, moi, ça donne le smile, ce jeu, tu vois. Il y a de bonnes vibes qui se dégagent. J'espère que littéralement, les certaines armes... Des centaines d'armes d'un jeu utiliseront la DualSense. Ah oui, avec les armes de Warframe, ce serait cool. Surtout qu'Horizon est un jeu Sony, donc ils vont l'exploiter, c'est sûr. Même Call of l'a fait, ouais. Je pense, t'as raison. Super nouvelle ça, Cédric. Ouais, c'est vrai, du coup, dans un mois. Oh, regardez ça. Par contre, ce petit bruit là, très Zelda, hein. Et vous voyez là, quand j'arrive sur la corde, j'ai un bruit différent.
J'ai un petit bruit là. Ding. Et la bête elle vibre comme si je touchais un ressort. Enfin comme si c'était... On sentait une certaine... Enfin bref, c'est vachement bien. Là on a quoi comme jeu? Regardez, vous connaissez Tekken. Regardez ça. Et là-bas on a quoi? Regardez là-bas on a un oiseau. On a un toucan. Toucan. Là j'ai plus mon arc. J'aurais voulu tirer sur le toucan. Grimpette teraflop. C'est quoi ça encore? Ah, on retourne sur le... Regardez, hop, attention, on utilise le palais tactile. Ça, c'est perturbant. Ça marche vraiment bien. Ah ouais, il faut que j'attrape les lianes. Attendez, comment je fais là? Ah ouais, il faut que j'inverse. Comme ça, hop. Oh, regardez ça. Oh, j'ai trouvé un raccourci là. En vrai, c'est pas évident à se coordonner parce que c'est un nouveau geste pour se coordonner quand même. Hein. Merde, il y a un faux truc là. Comment je monte ça? Comment je monte là-dessus? Je sais même pas comment on peut monter là-dessus. Attendez, ils sont en train de me l'expliquer. Ah, il faut appuyer doucement. Ah ouais. Oula, oula, oula. Il faut aller vite. Ok. Ok, ok. Oh, c'est quoi ça? Le PSVR, regardez ça. Adieu, Mondrel. Le PSVR. Adieu, Mondrel. Alors, attendez, il y a beaucoup de dialogue, là. Très proche de Mario, quand même, ouais. Chloé, j'ai vraiment hâte, mais je dois me séparer de ma PS4, elle a 4 ans et ça me permet d'avoir plus de... un plus pour la console. Un peu plus d'attendre ma PS5. C'est vrai que là... Punaise, tu as un bon skin quand je vois d'autres youtubeurs, on dirait que tu as joué toute ta vie. C'est vrai? Pourtant, c'est la première fois. Le passage à la patine de Tekken 7 est super facile. Et le jeu est vraiment excellent. Tu sais faire des sacrifices, mais franchement, tu perdras pas en jambes. Bah moi l'empêche, moi pour ce, moi les... Tu sais j'ai revendu mes autres consoles quoi. Parce que vu que c'est rétro-compatible... Et ben... Bah j'y perds pas en fait. Je suis pas si attaché que ça à la génération précédente tu vois. Oula. Attention. Oh, attention, attention, ça arrive sur moi. Oh. Allez, go, on y retourne, vite, 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 vite. En fait, faut attendre qu'il passe, le petit bonhomme. Hop. Ça va, on commence à prendre en main. Hein. Salut, Chloé. Hop. En vrai... Astro est vraiment un très bon jeu. Hein. Déjà sur PSVR, il était vraiment très bien. Oh merde. Oh, j'ai loupé. Non. Ça, il n'y a pas de chargement, ça c'est vraiment un point fort. Hein. Déjà sur ma série X aussi, c'est la chose que j'aime le plus. C'est les temps de chargement réduits.
Wouah, c'est dur ça. En fait, faut attendre. Une fois que ça passe. Ouh, là, j'ai grid un peu. Oh, regardez ça. Alors là. Oh, on est parti là. Oh, ça. Ouh, on dirait Mario Galaxy. Mario Odyssey. Au passage, bonne idée pour Sackboy. Ouais, c'est un jeu familial, Sackboy, c'est vrai. Immortal Phoenix Rising. Ah, bah, ça, il est dispo sur le. Comment il s'appelle sur Stadia, tu peux le tester ça. Nintendo doit prendre des notes. Ouais, bah, c'est pour le coup, c'est clairement Nintendo, tu sais, ce genre de. En plus d'avoir du gameplay un peu comme ça, qui sort du. Qui sort du virtuel un peu. Comme avec la Switch, tu vois. Pensez que si je dégomme le lapin, il y a un truc. Regardez ça, je gagne des pièces. Y'a plus. Vous entendez la musique là? Vous la reconnaissez? Qui c'est qui va réussir à retrouver la musique qu'on entend là? Où est-ce qu'on a entendu cette musique là? Eh ouais, c'est le thème PS4. Eh, libérez-le! Regardez, on va faire gonfler ça. Petit lapin, là. Moi, je suis un chasseur, moi. Moi, je suis un hunter. Je suis sûr, il y a un truc si je gonfle ça à fond. Et vous voyez, là, il y a un bruit de neige qui ressort de la manette. Mais genre. Et de vibrations. C'est trop bien. Ça marche trop bien. Attends, je suis en train de faire une boule énorme là. Je sais pas si je peux la faire plus grosse encore. J'ai cassé ça. Ah, c'était pour avoir l'arc ça. Je sais pas si je veux faire des bonhommes de neige, si j'en fais deux. Parce qu'après je peux faire un bonhomme de neige comme dans Mario. Ouais. En fait, dès que je marche, ça s'enfonce et ça fait un. C'est bizarre. Ouais, en fait, en plus, je pense que la DualSense doit coûter quand même cher à développer. Hein. Vu tout ce qu'il y a dedans, ça a dû coûter quand même cher, tu vois. Et la manette coûte combien ? Elle coûte 80€, 70€. Contrairement à ce qui se trouve dans la concurrence, ça va. Hein. Quand tu voyais que Nintendo vendait deux Joy-Con 80€ aussi, parce qu'eux aussi disaient que bah, tu sais, y avait des vibrations, machin. Ça revient plus cher à côté parce que là t'as quand même des écouteurs, t'as un micro. T'as pas un truc. Ah ça c'est Je sais pas en fait, j'allais dire c'est. Comment il s'appelle ce jeu? C'est C'est pas de journée, non, c'est pas Fly là, par les mêmes créateurs. J'ai un doute. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh regardez, ils sont bien eux. Je peux tout casser moi. Tu as un truc à te faire ici, c'est pas possible. Là tu vois c'est Sky, c'est ça. Je pense que c'est plus Sky que de journée. Mais après Sky c'est pas sorti sur PS4 je crois, si. Ape Escape. Attends je vais regarder. Non,
C'est Monster Escape, tu sais, c'est le jeu avec le PSVR. €70 ça, ouais. Bah, de toute façon, en plus, avec en face, t'avais Xbox qui devait sortir sa console, donc ils ont mis du temps, ils ont pas fait de bénéfice dessus. Bon, allez, c'est bizarre, ça me paraît bizarre qu'il n'y a rien à faire avec ces boules de neige là, non? Vous pensez pas? Ah, mais regardez, ça, c'est les joysticks, ça! C'est les joysticks de la console! Trop marrant. Faire quoi là? Oh! La PS4! La fade en plus, ça! La grosse console! En vrai, elle est propre la PS4. Elle est jamais comme ça en vrai. Elle a toujours des traces de doigts normalement en haut là. Elle est stylée! Hop! C'est journée à 100%, vous êtes sûr? Ok. Il est fini? Oh! On dirait un Simon, vous savez le jeu là. Ah, c'est le musée! Bon bah voilà. Peut-être pas tout faire, hein, j'ai pas tout spoilé, je pense. Alors, regardez ici, on a Verali, je pense. Ah, regardez, il a mis PS1. Là, on a Spyro. Là, on a de la recherche et développement. Regardez ça. Ça travaille dur, dur sur nos prochains titres PlayStation 5. Ça travaille dur. Ça bouge dur chez Sony. Oh là, regardez. Dance Dance Revolution. En vrai, il y a une super ambiance dans le jeu. Je sais pas si vous le sentez, mais... Ah, regardez, bah, la fameuse Ray, regardez, de la démo technique, elle est là. On en parlait tout à l'heure. Avec les vibrations. Je crois que Sony, c'est les premiers à avoir mis des vibrations dans les manettes. Hein. La DualShock. C'était ça, en fait. DualShock. Là, on a quoi, là? Là, on a une erreur, regardez, sur la démo du dinosaure, du T-Rex. Et là, on a les joysticks. Analog stick. Là, on est... Qu'est-ce que tu veux choper, toi? Merci, merci, merci pour tout, merci pour tout. Ici, on a quoi? On a les transferts de sauvegarde, on a les prises, on a... Ok, ça travaille dur chez Sony. Ça, c'est quoi, ça? Regardez, on a des puces sur les processeurs. Plus de la PlayStation 5. Franchement très cool hein. Alors regardez, ça c'est l'artefact que j'ai trouvé. Ils sont bien modélisés en plus en vrai hein. Ah, ils sont taille réelle en fait. Enfin taille réelle, entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais toi? Vu. C'est vraiment bien modélisé l'arrière de la console. C'est là qu'on voit aussi la puissance de la machine parce que elle peut afficher quand même, regardez, des textures vachement bien faites, je sais pas si vous voyez, mais c'est pratiquement photoréaliste là, la PS4. Hein. Ah oui, bien vu, regarde. Ça, c'est pour mettre les câbles, je l'ai, hein, il est juste derrière en plus. Tu mets les câbles et hop, tu le retires. Là, on peut faire quoi? On peut pas interagir avec ça. Ah si, peut-être là. Je peux interagir là? Oh!
Sony Interactive Entertainment. Ah oui, c'est décidé sur PS Vita, fallait ouvrir comme ça les jeux. But away. Ah, regarde du ray tracing, regardez un petit peu de ray tracing. Regardez, ça se reflète là, vous voyez? Le petit personnage, là, il se reflète. On a du ray tracing, regardez. Ça, c'est cool. Ça se reflète. C'est le futur, mes amis. C'est le futur. Oh, il s'allume. Est-ce qu'on peut voir quelque chose dedans? Oh, regardez. Mais c'est moi! Trophée obtenu! C'est... Regarde, ça c'est... Astro Playroom VR, je sais pas quoi là. Eh ben c'est cool. En vrai... Super jeu hein. Oh regardez le trophée PlayStation Plus. C'est quoi ce jeu? Oh, Knack, regardez, le revoilà! Knack, qui était là, un petit peu la démo technique de la PS4 au lancement, hein, je vous le rappelle. Knack. On a eu deux quand même. Hein. Ah, mais ça me dit quelque chose, ça! Ça fait penser, tu savais, au truc de la Dreamcast, ça. Vous savez que vous... Je sais pas si vous connaissez, mais... La Dreamcast, on pouvait mettre des genres de cartouches, des cartes mémoire ici avec un écran. Ça fait penser à ça. Mais c'est quoi, ça? Ça existait, c'était quoi? Un Tamagotchi, non? Je sais pas ce que c'est. Et ah là, en fait, on est sous la croix directionnelle. Dans la manette, quoi. Regardez. Là, il y avait un petit bouton à appuyer. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un pachinko. Ah ouais, on gagne des trophées. Regardez, c'est le lancement de la PS2. Avec le jeu Ico. Enfin, ils ont appelé ça Bot. Mais c'est Ico. Et derrière, regardez, on peut lancer. C'est le menu quand tu lançais le jeu. Avec les prises Péritel et tout. En vrai, c'est pour les nostalgiques, ça c'est pour les vieux, ça. En fait, Astro Playroom, c'est un jeu pour les vieux. Pocket Station, c'est ça. Ok. Est-ce que je peux en ouvrir d'autres? Oh bah tiens, regardez le T-Rex. Ça va pas être tout à l'heure. Hop. Attends, je peux choper une canette, faut faire gaffe. Oh, il est en or celui-là. C'est quoi? PSP. Ah, mais c'est le... Ça servait à quoi, ça? Les vibrations sur PSP, non? C'était quoi, en vrai? Je connais pas, ça. Ah, c'est un micro! Un micro. C'est le micro. Ouais, c'est un micro que tu... Que tu plugues sous ta PSP et t'as une petite molette pour régler en fait. Stylé. Débloqué. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est des pièces de puzzle comme ça. Oh, je gagne que des pièces de puzzle. Je suis en train de tout perdre dans le puzzle.
ça c'est nul, ça c'est pour boire ça. Ah, rare. Ouh, la PSP Go. Adieu les UMD. Leur reine s'est enrayée. C'est vrai que pour le coup... T'as vu, je peux l'ouvrir en... sur le pavé tactile. La PSP Go qui était vraiment une belle machine en vrai. Hein. Oh, et le dernier. Ok. Bon, le puzzle, je pense que c'est plus tard. C'est pour faire un tableau, je pense. Ah bah voilà, ça doit être ça. Ah oui, c'est la fresque. C'est la fresque autour, regarde. C'est la chronologie, en fait, de PlayStation. Avec toutes les dates. Et tu vois, d'ailleurs, j'en ai trouvé pas mal ici. Avec notamment la PS3. Là, j'ai la ration... là c'est la génération PS3. D'où tous les artefacts que j'ai eu là, en fait. Tu vois, ces artefacts qui sont liés à la... non, à la PS4, pardon. Tu vois, le PSVR. PS Vita. Là, on retarde un peu dans les années avant. PSP, avec le micro. Là, c'est la génération PS3. Ah, en fait, chaque an... tu vois, là, c'est... ici, t'as la génération PS3. Ici, c'est la génération PS4. Et la PS1, PS2. Ouais, c'est ça. Chaque quart, en fait, est une génération de Sony. Franchement, c'est top. Hein. Puissance USSD, regardez. Magique. De la PlayStation 5. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le nouveau monde, ou atteindre de nouveaux sommets. Nouvelle course disponible dans la place du CPU. C'est stylé. Oh, la musique. C'est quoi en dessous? Il y a encore plein de trucs à explorer. Hein. Bref. Voilà en tout cas pour Astro Playroom. Là, du coup, on peut voir les petites vignettes. Ça nous explique en fait ce qu'on a fait ou pas. Pampla. Pourquoi on peut faire reprendre? Imaginons, je fais reprendre. Ça va me téléporter à l'endroit où j'étais. Et du coup, ça me téléporte pour la grimpette. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que ça peut nous placer à des endroits. Genre là, là, je suis dans le labo. Et si je fais reprendre, ça va me remettre dans le labo. Ah ouais. Impressionnant, ça. La vitesse, c'est vrai, c'est ouf. Hein. Et du coup, ça, c'est dans le menu PlayStation, en plus. Hein. C'est pas un menu du jeu. C'est dans le menu PlayStation. Donc là, j'ai vos demandes d'amis, hein, j'ai bien vu. Et d'ailleurs, vous avez vu la manette, je l'ai pas rechargée depuis que je l'ai déballée. Hein. Et j'ai toujours... toujours de la batterie. Hein. Tiens, on va regarder d'ailleurs ce qu'on peut changer. On peut changer du coup le volume, les vibrations. Ok. Ok. On peut mettre des claviers, des souris, des caméras. Non, j'ai pas la caméra d'ailleurs. Tout à l'heure, on m'a posé la question si j'avais la caméra PlayStation. Je l'ai pas prise. Parce que pour l'instant, j'en ai pas vraiment l'utilité. Je pense qu'il faudra sans doute peut-être l'avoir pour la... la PS... pour le PSVR 2. Oh, Sepsol, comment tu vas? Comment tu vas, Seb? Ça fait plaisir de te voir. J'ai vu que tu faisais un live... aujourd'hui, je crois. Non, pas aujourd'hui. Tu reçois lundi ta console, c'est ça, j'ai vu.
Si je me trompe pas. Donc là, j'ai installé Demon's Souls. Et j'ai installé Spider-Man. Ça, c'est pas mal, ça, qu'il y ait des petites musiques. Sur les menus. Ça met un peu dans l'ambiance. Ouais, mais la caméra, tu vois, moi, je stream via mon PC, en fait. Comme ça, je peux faire, toi, des petites transitions comme ça que tu peux pas faire sur... Toc. Tu peux pas faire sur PC. Pas sur console. Ok, bah, vivement, moi, normalement, je vais la recevoir demain, à la base. Finalement, ça a été... Finalement, c'était hier, et bien, au fait, c'est aujourd'hui. Du coup, j'ai Bugs Max aussi. Ah oui, c'est ça que je voulais tester avec vous. Je vais lancer Days Gone et voir le 60 FPS, comment ça marche. Ah ouais, je veux bien, Seb, ouais. Attends, j'arrive. Alors, là, du coup, j'ai lancé un jeu PS4. Et normalement, je crois qu'il y a un upgrade sur ce jeu, c'est ça? Spider-Man, je sais... Non, je vais pas le lancer, je pense. Je sais pas trop. Sinon, je vais pas faire un live trop long. Je suis déjà à plus de 2 heures de live, là. Un peu beaucoup. Mais de toute façon, je vais refaire des lives dans la semaine sur les jeux, hein. Du coup, faut attendre qu'il y ait une copie quand même du fils du disque sur la console, ok. Là aussi, tu vois, ils ont mis une petite musique. En fait, je suis bête pourquoi j'ai mis le CD, j'aurais pu le télécharger en fait. Vu qu'il est dans l'offre des jeux PSN Plus. Dans la collection plutôt, je veux dire. Last Guardian, j'avais aimé, mais... Est-ce que Bloodborne, il est en 60 FPS maintenant? Vous savez ou pas? Est-ce que c'est la version... Est-ce qu'elle a un gain de puissance ou pas du tout? Comment je vois les jeux que je télécharge, là? Là, on a les applications, ok... Non, du coup, le jeu n'est pas boosté. Merde. Ah, c'est naze. C'est vrai que c'était cool, hein, les lives. Oh, merde. Je suis un peu triste, là. C'était vraiment l'occasion. Pour le coup, j'ai jamais fini. J'étais à peu près à la moitié. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait vraiment être cool de proposer. Du coup, je télécharge pour rien, quoi. C'est quoi ça? Black Friday. Ok, ouais, mais ça, c'est pas important. Tiens, attends, je vais voir comment ils vendent les jeux PS5 aussi sur leur store maintenant. Sur ma PS5, j'ai déjà reçu mes codes de Sony, plus Cold War, plus Godfall, je prépare. Oh, GG nice. J'ai dit GG nice. Ça, c'est nice. Horizon, récemment annoncé. Donc ça, c'est toutes les exclus qui arrivent. Hein.
Quand même, il y a du beau jeu hein, qui arrive. Hein. Même projet Atia, ils mettent. Hein. Ah, ce jeu. Mon coup de cœur. J'attends trop ce jeu. Little Devil Inside. J'attends trop ce jeu. Tous les jeux PS5. Donc là, on a que des jeux PS5. Ok, Seb, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Astro. Bah, Astro, du coup, il est gratuit. Godfall. Godfall, j'aimerais bien essayer, hein. Mais je sais pas. J'ai pas vraiment envie de dépenser non plus 70 balles dedans. Mais... pareil que c'est. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui sont un peu. Mitigés, on va dire. Faudrait une reprogrammation avec un patch car le jeu est capé à 30. Je pense qu'il y aurait un remaster plus tard pour préparer le terrain avec un Bloodborne 2, j'espère. Tu crois que c'est pas juste un truc à débloquer? Tu crois que le jeu est vraiment capé à 30? Pas étonnant quand même. Et c'est long hein, les lancements. Huit petites minutes. Et revillage, ouais, c'est vrai. J'étais sur PC, Godfall Max, et c'est mal optimisé. Ouais. Ouais, mais après, le jeu en lui-même, j'ai vu que c'était un peu répétitif. C'est pas... comment on pourrait dire? C'est pas si ouf, quoi. Après, je sais pas, hein. Je voulais voir quoi. C'est du Destiny X Borderlands. Ah, quand même, ok. Mais est-ce qu'il y a un mode coop? Il y a du coop quand même? Ou c'est que en offline? C'est du multi en fait. En fait, j'ai pas trop suivi parce que le base du jeu m'intéressait pas trop. Après, c'est vrai que j'aimerais bien l'essayer, mais on peut pas l'essayer, quoi. C'est un jeu que... ils auraient dû mettre une démo, un truc, quand même, je pense. Pour faire découvrir le jeu. Ça, par contre, ça a l'air cool, ça, je crois. Ça m'intéresse un peu, ça. De Passless, ça a l'air vraiment sympa. Non, ils l'ont bloqué à 30 FPS, Digital Foundry est formel, c'est mort pour l'instant, c'est un de mes jeux préférés sur la PS4 que j'ai pris beaucoup de plaisir à platiner. Ouais. Ah ok, d'accord, bah, c'est, ouais, bah du coup, ouais, si tu dis ça comme ça, ça paraît étonnant que le jeu peut pas être boost. Parce que tu sais, genre les Tomb Raider aussi, ils sont lock à 30, en tout cas sur Series X aussi. Tu la trouves comment l'interface comparée à la Xbox? Bah tu vois... sans m'en rendre compte, je m'y suis fait en fait. Il est très facile d'accès, très simple. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la vélocité, tu vois, très rapide. Genre, je passe du menu de la boutique au jeu. Genre là, je vais voir les jeux PSN Plus, toc, je suis déjà dedans, je vais là, toc, je suis déjà dessus. Genre, hop, lui, je peux le télécharger. Non, ça marche très bien. Pour le coup, c'est un. C'est beau, c'est bien, ça marche bien. Ça dépayse un peu plus que sur Xbox, c'est bien parce que c'est un peu de nouveauté. Donc, non, j'aime bien. J'aime bien. Après, comparé entre les deux, je ne pourrais pas te dire encore. Xbox, je le connais bien parce que vu que c'est le même sur la série X là, que j'ai derrière moi, j'ai retrouvé assez rapidement mes marques. Mais là, finalement, tu vois, même en parlant, je ne me rendais même pas compte que j'étais déjà en train de naviguer dans les menus et. Et ça marchait bien, quoi. Donc ça, c'est cool. Ah oui, je crois qu'ils avaient refait... ça, c'est déjà sorti sur PS5, je crois, aussi, non? Le fait qu'on puisse avoir les... ils ont refait les trophées, non? Je crois. Alors, attends, je sais pas où faut aller. Trophées. C'est là.
Là, on a les trophées, là. Et ça, c'est déjà sur PS4, je crois. Je trouve ils ont gommé pas mal de défauts de l'interface PS4. Mais j'ai les deux comme toi, et je m'attendais à mieux pour la manette, vu le buzz. Apparemment, si tu finis Astro à 100%, t'as une surprise, mais je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je trouve que Xbox a ses chances sur cette gen. Ah, du coup, t'as testé la manette, tu trouves des sens. Moi, franchement, là, je viens de tester un niveau de Astro Playroom, à peu près, pendant une petite heure. Et franchement, j'étais vraiment conquis, j'ai vraiment, vraiment aimé les retours haptiques et tout. Tout le charabia marketing me hypait pas, je me dis, ouais, c'est un peu too much et tout. Et finalement, ça marche vraiment, c'est quali, c'est très propre, c'est génial. Moi, franchement, je trouve ça très, très bien. Après, il faut que ça soit vraiment exploité dans les jeux. Mais de ce qu'en tout cas Astro Playroom propose sur une manette DualSense, ça marche vraiment très très bien, je trouve. Après, effectivement, là, sa série a ses chances. Surtout avec tous les rachats et tout, la puissance de la machine, la rétrocompatibilité qui marche vraiment, tous les studios qui arrivent et tout. Il y a vraiment rien. Mais pour le coup, la manette DualSense, franchement, je la trouve bien. Ouais, mais franchement, c'était vraiment mon avis, Seb. Je voyais tout le monde parler de cette manette et tout. Je me dis, ouais, bon. Tu sais, moi, je suis. Enfin, voilà, j'étais pas très hypé non plus. Mais ouais, bon, on verra. Et finalement, bah, c'est vraiment une très, 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 très bonne surprise. Oui, on peut s'en passer. Mais ça ajoute vraiment un plus, en tout cas, sur Playroom. Ça ajoute une immersion vraiment très, très. En fait, je pense que si c'est bien amené. Après, Playroom, toi, c'est le jeu idéal. C'est le jeu qui va te la faire vendre, limite, plus que dans l'excès, quoi. Ça va décupler toutes les sensations. Ça va mettre le micro, le son, les machins, les vibrations. Ça va tout faire, en fait. Donc, du coup, l'expérience, elle est ultime. Elle est très, très bien. Après, si c'est juste dans un jeu, tu vas ressentir juste 2-3 pas de sable, enfin, de trucs dans un sable ou un peu d'eau et tout. Voilà. C'est ça. Faut que ça soit amené bien, mais suffisamment pour sentir une différence, mais pas trop pour que ça soit too much. Mais après, il y a quand même moyen de faire, tu vois. Donc, faut voir. Xbox a le PC en concurrence vis-à-vis de la console, c'est handicapant pour eux. Non, pour eux, justement, Xbox, c'est pas du tout un handicap. C'est justement une stratégie en parallèle. Pour eux, ils veulent vendre du Game Pass et du jeu. Donc, en fait, que tu aies une série X ou un PC, si derrière tu as le Game Pass, ils sont contents. Justement, ils cherchent pas à vendre spécialement une série. Si t'as un PC et que tu joues au Game Pass, pour eux, c'est la même chose. L'interface PlayStation a toujours été les plus intuitifs que chez Xbox, je trouve. Je m'attendais à rien de spécial, je m'étais pas hypé. Test à DualSense sur Cold War, tu diras pas la même chose, Nicolas. Bah déjà, sur Astro, moi, ça marche bien. Faudrait que j'essaye, ouais. Tu joues... Le jeu a été fait pour la manette, en fait. Oui. Ok, petit, ouais. Ok, à lundi. Enfin, lundi, ouais. C'est handicapant pour la console Xbox, mais pas pour l'écosystème Xbox. C'est ça. Oui, bah déjà, la particularité, enfin, même, je pense, pour les gens qui parlent de Cold War, je pense que c'est la chose qui va revenir le plus, c'est les gâchettes. Je pense que c'est le plus facile à coder pour les gens, pour les devs, tu vois, je pense que c'est le plus simple pour eux. Et du coup, c'est ce qu'il y a dans plus de jeux, tu vois, genre les armes ou les arcs. Ça, c'est la chose qu'on va voir. Je pense que ça pour le coup, je pense que les gâchettes adaptatives vont pas être abandonnées. Je pense pas. Apparemment, c'est ça le problème, c'est que sur Miles Morales. Apparemment, c'est pas utilisé, je crois. Salut Chloé! Alors, attends, on lance Days Gone, on va tester le 60 FPS. Démarrer sans mettre à jour. Ah, je sais pas du coup. Peut-être mettre à jour pour avoir le truc, non? Je sais pas. Je trouve que sur la gêne, c'était plus facile de choisir entre les deux. C'est sur cette gêne, c'est compliqué. Ah oui, tu parles entre Xbox, la bataille entre Xbox, oui c'est vrai. Bah c'est vrai que maintenant le Xbox a plus d'arguments face à Sony. Mais Sony se maintient bien au final.
via en plus ces ajouts liés à la manette et tout, je trouve que ça donne des bons atouts quand même. Bah en fait, moi, en fait, le problème que je suis réticent, c'est que vu que la techno est géniale, j'ai peur que ça fasse comme la Switch, qui avait une bonne techno, qui a été abandonnée, même par Nintendo, tu vois, comme la Wii U à l'époque, où en fait, bah même eux délaissent le truc. Et Sony a un petit peu fait la même chose avec sa DualShock 4, le pavé tactile qui était quand même utilisé dans des jeux comme Knack ou Killzone, des jeux de lancement de la PS4. On se disait, ouais, c'est trop bien et tout. Ça n'était jamais exploité. Les seules utilisations du pavé tactile, c'était pour ouvrir la map et c'était sur le clic souvent. Enfin, tu vois, donc c'est pour ça. On se dit là, ils ont mis le paquet dessus et il faut l'utiliser quoi maintenant. Faut voilà. C'est vrai, c'est seul. Bah, ça peut l'être si c'est bien amené. Pourquoi pas? Ouais, je pense. En tout cas, je me suis fait la réflexion vraiment en jouant tout de suite la Astro. Je dis mais en fait. C'est tellement bien amené que je me suis dit, bah moi, là-bas, je voulais jouer à mes jeux tiers sur Xbox Series X. Je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait donner un argument à des jeux tiers, tu vois. Si c'est bien fait. Parce qu'en face, la manette Xbox, t'as pas de micro, donc t'as pas d'enceinte, donc t'as pas de son, t'as pas les vibrations pareilles, t'as pas les gâchettes pareilles. C'est... voilà. Après, faut que les développeurs, par contre, ils développent pour chaque support. Ce qui fait qu'à chaque fois, bah, on se retrouve avec une version de base. C'est pour ça que souvent, c'est peu utilisé, mais après, voilà. Le pavé tactile, c'était dur d'utiliser dans un jeu. Les sons vibrations et les gâchettes, tous les jeux l'utilisent. C'est vrai. C'est un peu plus, peut-être plus simple pour eux maintenant d'utiliser ça. Salut Souleymane, comment tu vas? Arrêtez les gars sur Demon's Souls et Miles Morales, la manette, c'est pas la folie. Même tous les tests le disent. En plus, je peux attester, j'ai joué hier toute la soirée. Oui, apparemment, Demon's Souls... Et Miles Morales n'utilise pas la DualSense, enfin la techno vraiment DualSense. Là pour l'instant je parle uniquement de Astro, qui pour le coup ça marche extrêmement bien. C'est pour le coup pour moi ils n'ont pas vendu du vent, tu vois. Sur Astro en tout cas voilà. Après c'est ça, ouais. Faut voir après si ça va suivre. Après je t'avoue que j'ai pas acheté la PS5 pour avoir des vibrations dans la manette. Hein. C'est un plus. C'est un plus. Mais ça serait cool que ça soit utilisé. Allez, quelques secondes et je teste Days Gone. On va voir s'il y a vraiment une différence. Ouais, bah ouais. Bah tu sais, c'est vrai que c'est des craintes qu'on peut avoir, hein. En tout cas, parce que on a vu que par le passé, c'était déjà arrivé plein de fois, suivant les constructeurs, hein. peu importe les constructeurs. On peut dire la même chose avec Xbox, avec le Kinect, qui, au-delà d'un gouffre financier pour l'acheteur, après était très très peu exploité, alors que l'appareil était dingue. Le Kinect était surpuissant. Tu vois, c'est... Voilà, ça... Ça dépend du point de vue. Après, Sony a le temps de développer la manette pour ses jeux first party, mais avec les éditeurs tiers, ils vont galérer, je pense, à base de patch, etc. Oui, non, faut pas que le jeu utilise tout. Mais il faut que ça soit quand même utilisé assez suffisamment pour ressortir une différence. Qu'est-ce qui fait la copie des fichiers? Et c'est ça par contre c'est d'une éternité. Là j'ai l'impression d'être retourné sur... Ah par contre regardez, il y a un petit bouton là. Le petit bouton, vous voyez le petit bouton orange. Il permet de muter ou pas le micro. Ça c'est pas mal. Pas mal ça. On peut muter ou pas, comme ça. Sans aller dans des menus. Est-ce que je peux quitter le... Est-ce qu'on peut quitter le jeu? Fermez le jeu. Ça peut être plus rapide si je ferme le jeu. Si c'est un argument commercial d'Aptique, et vu le nombre de noms PS5 qui seront vendus, il y aura un vrai intérêt pour eux. Bah j'espère. Espérons. Après c'est... J'allais dire, c'est pas ce qui qualifie non plus la PS5, mais c'est... Si, ça peut aussi, c'est vrai.
Bon, on en est où là? Ça, par contre, c'est une tannée, ça. La copie là des. Je sais pas ce qu'ils font là. Bah, en fait, faut que ça soit ajouté intelligemment sans être gadget non plus, tu vois. Ça, c'est le risque. On voit très clairement, oui, bah, ah oui, d'accord, oui, bah oui. Oui, c'est ce qu'on vous rapporte depuis tout à l'heure, je pense que sur Call of Duty, ça marche très 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 bien. Après, attention, Call of Duty a un partenariat de lancement avec PlayStation aussi. Donc, je voudrais peut-être une Xbox Series plus tard, car je n'ai pas de Switch et je pense la prendre avant. Je trouve que le combo PS5-PC est plus avantageux que Xbox Series-PC, même si la Xbox Series est un excellent jeu. Oui, ça pour le coup, clairement. Là, je comprends parfaitement. Vu que tu peux avoir les titres, les mêmes titres sur Xbox que sur PC, c'est logique. Mais les dégâts, je trouve, avec le PC est foireux. En fait, les joueurs PC, vous êtes des joueurs Xbox, les gars. C'est pareil pour moi, j'ai un PC, c'est ce que vous faites penser. C'est ce qui me fait penser que la PS5, même si la Xbox est très bien. Xbox, maintenant, c'est un écosystème comme Netflix. Oui, oui, c'est ça, c'est un catalogue de jeux que tu choisis dedans. Bon, après Call of, perso, je joue quasi full PC, mais bon, la campagne sur CX est un plaisir. Bon, j'avais envie de tester la rétrocompatibilité quand même PS4 via Days Gone, qui apparemment est censé être plus joli. Enfin, plus fin en tout cas, et un 60 FPS. Ça, je sais pas, Kyo, du coup. Parce que, pour le coup, j'aurais tendance à dire non, vu qu'ils en parlent pas, mais après, est-ce qu'ils en parlent pas parce qu'ils ont un partenariat avec Microsoft? Donc, est-ce qu'il n'y a pas parce qu'ils en parlent pas, ou est-ce que du coup, ils développent pas parce qu'il y a un partenariat? Tu vois, ça, je sais pas. Ça, par contre, ça sera à voir. Après, on pourra peut-être le retrouver, comme on dit. Je pense que la chose la plus simple à mettre sur la DualSense, c'est les gâchettes, je pense, à développer. Le fait que les gâchettes soient adaptatives, où il y a un retour de force, peut-être que sur Cyberpunk, on pourra peut-être l'avoir. Regarde, Nimeko, reste appuyé sur le bouton pour couper le micro. Ok. Ça coupe le son du... Ah ouais, ça coupe le son du menu. C'est cool, ça. Regardez. Pour parler à quelqu'un, genre tu veux parler à quelqu'un, hop, tu peux le faire comme ça. Nice, merci. Merci du tips. C'est parce que, en fait, Cédric a un partenariat en ce moment, surtout. Mais attention, à l'époque de la 360, le partenariat était du côté de chez Xbox. Hein. Ça a juste changé avec la PS4. C'est vrai, ils n'ont pas montré. Oui, mais je pense qu'ils ne montreront pas, en fait, parce qu'il n'y a pas le partenariat, en fait, Kyo. Bon, on va voir Days Gone. Déjà, le code chargement est un petit peu optimisé. Ouais, c'est vrai ça. Ça la fout mal, ça, le partenariat Assassin's Creed. Tu pourras tester la DualSense sur la Switch. Bah, techniquement, ça pourrait marcher, je pense, non? Ok, on est bon. Est-ce que je récupère ma sauvegarde du coup? Ah non. Pourquoi j'ai pas ma sauvegarde PlayStation Plus? Est-ce qu'il faut faire un truc pour récupérer ses sauvegardes? Attendez, je vais aller voir. Je sais pas si vous savez ça. Attendez, j'en mets juste en grand 2 secondes. Je regarde si on peut récupérer sa sauvegarde. Je sais pas si vous le savez ça.
Profil. C'est pas là. Non. Normalement, tu fais un transfert au début. Ah, faut activer la version PS5 de Days Gone aussi. Il y a une version PS5 activée. Ah oui, dans les options. Ah, stockage dans le cloud, attends. Je vais essayer de synchroniser les données sauvegardées. Ok. Parce que là, ils mettent que mes jeux PS5 en fait. Attendez, attendez, j'arrive. J'essaie de trouver ça. Je sais pas. Ils me disent pas comment récupérer. Ouais, je sais pas. Bon, après, c'est pour tester, hein, tant pis, on va lancer le début du jeu, mais... Stockage dans le cloud, synchroniser, de sauvegarder, je sais pas. Ah, j'ai trouvé, je crois. Ok. Je crois que j'ai trouvé. Ah, je suis en train de reprendre toutes les sauvegardes, là. En fait, j'avais tout sauvegardé, j'avais tout mis dans le cloud grâce au PlayStation Plus, ça c'est vraiment bien. Tu peux tout prendre, tu peux tout mettre de côté. Non mais Astro, tu as raison, mais chacun est différent, il y a du monde qui va sur le Game Pass, etc. Moi, la PS4 a bugué hier, impossible de l'allumer et maintenant ça va. What? T'as eu quoi? Sur quel jeu t'as eu ce problème-là? Bon, ça me met un menu chelou, là. Vous voyez? Je sais pas, ça fait un menu chelou. Ouais, moi j'ai jamais eu de problème sur Series X. Encore, depuis une semaine que j'utilise, même plus, deux semaines. Oh là là, et j'aurais pas dû faire j'aurais dû choisir que la sauvegarde, attends. Oui, attends. J'ai juste tout désélectionné et j'ai juste cherché le jeu Days Gone. Voilà. On va juste prendre le Days Gone. Télécharger. Sinon, on est encore demain. Oui. Elle prend feu. Je sais pas trop ce que je fais là. Je clique partout. Bon voilà, là je récupère du coup. Comme ça au moins ça me permet de voir que c'est possible, même si c'était logique. Mais je récupère mes sauvegardes PS4 qui étaient dans le cloud. Je les remets sur PlayStation 5. Ça c'est bien. Donc je vais pouvoir comme ça... retrouver ma sauvegarde. Au prochain boss, il est tellement SAV. Le problème, c'est que la PS5 en SAV... En tout cas, ils ne pourront pas te la remplacer tout de suite, toi. Ouais. Par contre, c'est dommage, toi, Kyo, vu que t'avais pas le PlayStation Plus, tu vas pas pouvoir récupérer ta sauvegarde de Ghost of Tsushima. Du coup... Donc là, je suis censé avoir récupéré. Ok, et donc, tu m'as dit qu'il y a une version PS5. C'est où? Non, on peut pas choisir, je crois. Tu vois, ils disent pas gérer le contenu du jeu. Non, il n'y a pas de...
J'ai la série X et la PS1, franchement, j'ai aucun jeu en plus. Ah, t'as pas acheté de jeu avec tes consoles? Bon, allez. Du coup, là, je suis censé avoir récupéré ma sauvegarde. Hop. Let's go. Alors. Continuer. Si appuie sur Start sur l'icône Days Gone, tu as version du disque. Mais ce que j'ai fait, hein? Ce que j'ai fait, je crois. Bon, allez, on est dans le jeu là. Donc là, on est censé être en 60 FPS. Par contre, je sais plus comment ça se joue, hein. Je t'avoue. Bon, par contre, là, ça fait bizarre, c'est que j'ai aucun retour haptique. Logique. Et j'ai aucune vibration dans la manette là. C'est bizarre. J'ai aucun. Aucune sensation dans les manettes là. Pour coup, la DualSense ne marche pas du tout hein, sur le jeu. Mais c'est vrai que c'est plus joli. Après, je vous sur la capture, je suis pas sûr que vous en rendez bien compte. Mais c'est plus fin. Plus détaillé. Parce que du coup, le jeu, il est mis en quelle option? Affichage. Non, c'est pas là. Y a pas de mode graphique ou machin normalement. En fait, le jeu de base, il te met tout à fond quoi. Ok. Genre là, y a une horde par là. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est à 60, mais. Elle est où la horde? Elle est là-haut. Je sais plus du tout comment on y joue au jeu par contre. Hein. Par contre, j'ai l'impression que ouais, le flux il rend pas honneur au jeu, je trouve. Par contre, je suis vraiment à 60 FPS là. Hein. Je le ressens. Je sais plus comment on esquive. Grande saloperie. Boum. Joli. En pleine tête. Ouais. Si, c'est quand même plus fluide, hein, ça marche mieux. Ça marche bien. Pour ceux qui n'ont pas fait Days Gone, du coup c'est cool parce qu'il est dans l'offre PlayStation Plus Collection. Donc ça c'est bien. Je sais pas si je peux faire ça.
Oh les loups, oh les leux. En vrai c'est agréable hein, d'avoir un jeu fluide comme ça. En vrai c'est plus agréable je trouve. Je pourrais revendre tout ça. La voix. La voix en français. Aïe aïe aïe. Ah oui, d'accord. Bah non, mais en fait, j'ai même des options en moins. Genre affichage, j'ai juste luminosité et c'est tout. Que normalement, il n'y avait pas un mode FPS, un mode résolution. Et en fait, je crois que la version PS5 bah, combine déjà les deux. C'est-à-dire qu'elle te met le mode résolution avec le mode FPS. Parce que du coup, il n'y a plus les options de choix. Tu vois ? Ah, dans les menus de la PS5, mais attends, je vais regarder. Comment j'accède au menu? Je crois qu'il faut que j'aille là et là. PS5. Système. Paramètres machin, historique, transfert, c'est pas là. HDMI, c'est pas là. Langue, c'est pas là. C'est pas là. Je sais pas où ça peut être. Écran et vidéo. Non. Non, y a pas de menu. Hein. Même là, dans les options du jeu. Non, y a rien. Je peux rien faire de plus. Un bidon d'essence. Un bidon d'essence. Par contre, je suis content parce que le. Bon, après, j'ai déjà fait le jeu. Hein. T'as pas un menu PS5 dans le jeu comme sur PS3? Ah, tu l'aimes pas le. Tu aimes pas le menu PS5? Ah oh, ça va, j'aime bien moi. Elle est où la horde là? Il y a une horde, je suis censé la trouver. Non Nicolas, non il y a pas de menu. Attends, on va tester les déplacements rapides. Ça peut être cool ça. Genre imaginons je suis là. Je veux me téléporter là. Genre là je peux là. On peut pas se téléporter là. Merde. J'ai plus de déplacement rapide en fait dans le jeu là. Ah, je voulais tester le déplacement rapide moi. C'est bizarre ça, j'ai pas de déplacement rapide. J'ai pas dû comprendre, je me rappelle plus. Poser un marqueur. Tant pis. Ah, il faut aller sur la moto. Ok. Voilà, on va tester. Ma moto. Ah, je suis épuisé là. Je vais me faire bouffer. Ah ça va, là j'ai repris mes marques, en coup j'aime autant les deux. Attendez.
Au revoir. Bon alors là, techniquement, je peux me téléporter, c'est ça? Genre, on va se téléporter à l'autre bout de la map. Ah oui, je peux, d'accord. Bien vu! Genre, si je me téléportais là, voir si c'est rapide. Bon, c'est quand même long, hein. Là, en ce moment, je joue à Assassin's Creed Origins sur PS4, sur Series X, pardon. Et ben, les chargements, c'est quasiment instantané pour se téléporter. Ok, bah ça marche bien en vrai, le jeu. Ça marche bien en tout cas, et le jeu est plus fin. En fait, sur PS5, on a la combinaison de la mode, du mode résolution et du mode FPS de la version PS4. Ce qui fait qu'on a un jeu qui est vraiment plus propre et plus fluide. Ça, c'est cool. C'est vrai que c'était plus long, t'as raison. Ouais, c'est juste que, en fait, là je compare avec la série X, ou en vrai sur Assassin's Creed Origins, qui est déjà sorti il y a 3 ans, tu vois. Je me téléporte à l'autre bout de l'Egypte, à l'autre bout, ça dure même pas 3 secondes, quoi. Si, mais Valhalla, si, je compte le faire, c'est juste que j'avais pas fait Origins encore, et je voulais faire le titre avant. Je voulais le terminer. T'as la version PS4, si oui, c'est normal que ce soit plus long. Non, c'est pas la version PS4. Oui, je fais pareil que toi. Normalement, les jeux tiers, probablement sur CX, moi. Et les exclus sur PS5. Comme je l'ai fait sur la génération précédente. Hein. Et du coup... par contre, j'ai du mal avec ce menu Home, là, qui m'emmène pas vraiment dans le menu Home. Du coup, Bloodborne est qu'à 30 FPS maintenant, c'est ça? Ça, c'est dommage, par contre. Ça, c'est la déception. Hein. Ouais, même là, j'ai pas ma sauvegarde. Aïe, aïe, aïe. Oh, le truc chiant, faut tout télécharger, là. Bon, bref. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le live. De toute façon, j'ai fait combien? Pratiquement 3h, 4h de live, non? J'ai pas vu. J'ai fait beaucoup, hein. Bon, après, j'ai pas testé encore Spider-Man et Demon's Souls. Mais après, bon, j'ai pas non plus... C'est surtout pour les ressentis de la manette. Mais de toute façon, je pense que j'aime bien faire des lives. C'est plutôt cool d'échanger avec vous là sur YouTube. Je pense que je vais refaire des lives genre sur Demon's Souls et tout dans la semaine. Même sur d'autres jeux. Même sur Xbox et tout. Hein. Sur Xbox, PC. Donc c'était vraiment cool. Ouais, j'ai fait plus de 3h30 de live là, je crois. Je me souviens plus quand j'ai lancé le live en fait. Ça c'est marrant ça d'avoir mis des petites musiques sur les... Bon pas tous hein. Genre tu sens que From Software, à l'instar de leur patch qui est pas encore là, ils ont mis le jeu puis hop, ils sont barrés. Ils sont déjà sur Elden Ring qui va arriver. Merci Sob. Merci Seb. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Moi, le souci, c'est que je suis en 4G, donc je peux pas être trop sur YouTube. Ah ouais, vivement la 5G, hein, bientôt. bon ménage, Nicolas.
Sur CX, un voyage rapide, c'est 5 secondes, c'est déjà suffisant. Ouais, non, mais je te dis, moi, déjà, sur les trois quarts des jeux que je joue en rétrocompatibilité sur CX, le voyage rapide est quasiment instantané sur tous les jeux. Donc là, moi, je suis vraiment content. C'était top quand ton prochain stream? Bah, bientôt, là. Si ce n'est peut-être demain, ou dimanche, lundi. Dans les 2-3 jours, là, c'est sûr je vais faire du stream plus souvent. Essayer après de se caler peut-être des programmes. Et se trouver des concepts, des trucs en live, quoi. Faire un peu plus de live, franchement, je pense que c'est. Les lives, à la base, c'est ce que je faisais le plus sur Twitch, tu vois, sur ma chaîne Twitch à l'époque. Il y a 2-3 ans, je faisais beaucoup de live, tu vois. Je faisais plein de trucs. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu le rythme des lives, et du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je refasse. C'est plutôt cool. Surtout que j'ai le matériel pour le faire, tu vois, donc ça, c'est cool. Ouais, j'ai vu, Seb, j'ai vu, je vais aller regarder tout de suite après, là. Salut, salut! Ouais, je suis conquis par la DualSense pour l'instant. En tout cas, c'est ce que je disais sur Astro Playroom. Ça marche très très bien. Vraiment top. C'est vraiment de top quali, ça marche bien. Après, à voir sur les autres jeux, si ce serait bien utilisé par Sony. Espérons, parce que... Bah, il y a moyen, quoi, en tout cas, vu la technologie qui est embarquée dans cette DualSense, donc ça marche bien. Donc pour l'instant, le bilan DualSense, c'est cool. Et la console, bah, elle est cool, elle est rapide. Moi, j'aime bien, pour l'instant, les menus sont réactifs. Pour passer du PSN au jeu, au trophée aussi. J'ai bien aimé aussi les systèmes de tuiles. On a pu voir, notamment sur Astro, vous savez, quand vous êtes sur le jeu. Je sais pas si je clique, ça va le lancer ou pas. Ouais, ça le lance, merde. Mais quand je fais ça, voilà, les genres de petites tuiles comme ça, je peux revenir directement sur un endroit dans le jeu en 2 secondes. Ça marchait très très bien. Pas de bruit. La console fait un peu plus de bruit que la Series X. Quand même. C'est pas gênant, hein. Elle fait un tout petit peu plus de bruit que la Series X. Mais en vrai, c'est 10 fois moins que la PS4 quand même, quand l'avion décollait, quoi. Ben merci au gamiste, c'était cool. Air chaud dessus ou Max derrière pour toi, Max? Comment ça? Air chaud dessus ou derrière pour toi? C'est dans quel sens? Je n'ai pas compris. S'il y a plus d'air au-dessus que derrière? Oui, bah de toute façon, le design énorme de la PS5 est dû notamment à ce ventilateur aussi, comme la série, tu vois, qui a un gros ventilo. C'est des consoles, de toute façon, qui vont, voilà, qui savent qu'il faut pas qu'elles fassent de. Surtout Sony ont su qu'il fallait pas faire de bruit parce que c'était vraiment à la fin le running gag. Ta PS4 est plus l'air chaud, plus par le dessus ou par derrière? Je vais aller regarder tout de suite parce que vu que je suis dans ma pièce de stream, elle est un peu plus loin, je vais te dire. Là, étonnamment, la console expulse, enfin j'ai tendance à avoir plus de chaleur vers le bas que vers le haut. Vers le haut, j'ai de l'air, mais un peu plus froid. Après, j'ai pas vraiment de jeu qui tourne là. Donc la console fait pas trop de bruit. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu plus chaud en bas. Et en haut, c'est froid. Mais là, elle est un peu en mode de pause, tu vois. De toute façon, je crois que la PlayStation doit aspirer l'air en haut
Non, c'est pas ça. Oh, je sais pas comment ça marche. En tout cas, c'est plus... Oui, c'est un peu plus chaud en bas, là. En tout cas, c'est vraiment cool. On a passé plus de 3 heures ensemble. On était à peu plus de 20 en plus. À chaque fois, plus de 20, même des fois, des pics à 30. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup, tout le monde. C'est vraiment un plaisir. J'ai vraiment aimé partager cet unboxing de la PS5, enfin, contrairement à hier. Avec, en plus, l'opportunité de tester. On a tout déballé. On a testé un peu ce que ça donnait. Et on a testé, en tout cas, un bon niveau de Playroom et... J'ai pu voir après les sensations de la DualSense qui était vraiment cool. Donc espérons que ça soit pareil sur les prochains jeux. Et on a testé un petit peu les menus, la rétrocompatibilité avec Days Gone qui marchait bien. Donc voilà. C'était un bon petit live en tout cas, découvert PlayStation 5. Et je pense faire d'autres lives dans la semaine plus tard. Je pense que c'est cool. Bah surtout qu'en vrai, honnêtement, tu vois... Je faisais partie de ceux qui n'étaient pas supra-emballés, en tout cas. Déjà de base par une PlayStation 5, et après par la DualSense. Donc j'avais vraiment un avis beaucoup très neutre et très curieux de connaître la technologie. J'étais pas en mode over-hypé, tu vois. Donc j'étais pas conquis avant de déballer la machine. Et c'était voilà, une réelle question, une réelle interrogation sur cette machine et sur cette DualSense. Donc beaucoup, en tout cas sur Astro Playroom, ça marche très très bien, voilà. Et c'est... Les ressentis sont vraiment là. Bah tu vois, voilà, après il y en a dans le chat pour qui ça leur fait rien, quoi. Mais moi j'imagine déjà une DualSense mélangée à un PSVR potentiellement 2, et franchement ça pourrait être top, hein. Parce que comme je disais, ils arrivent quand même à te faire deviner des textures de sol juste avec les vibrations, en fait. Donc un PSVR pourrait te permettre aussi d'avoir des sensations autres en plus. Enfin vraiment, Sony a moyen de faire des choses propres, quoi. Donc c'est cool. Et le jeu Astro est vraiment très très bien. Enfin, en tout cas, moi qui est nostalgique un petit peu, j'aime bien revenir sur l'histoire de jeux vidéo. Et vu que c'est une histoire qui me parle particulièrement, vu que ça date d'après les années 2000, tout ce qui est PlayStation, donc je la connais bien, cette histoire. Donc revoir la PS1, la Vita, les cartes mémoire, les machins, les câbles, tu vois, ça me parle parce que c'est ma génération, quoi. Donc pour le coup, ouais, le jeu est cool. Ah Nico, bah peut-être avec l'histoire, après quand le PSVR 2 sort, d'ici peut-être 2 ans, ce sera peut-être des choses à remettre après, je pense, sur le tapis, quoi. C'est pas perdu, hein. Enfin bref, voilà. Il est 17h, et en vrai, ça va faire 4h en vrai. Hein. Parce que j'ai dû prendre le live à 13h30... Bah non, ça fait 3h30 en fait. C'est ça. Vers 3h30. Je pourrais faire plus, mais... Après, l'idée, c'est l'histoire. En fait, j'aime bien jouer à des jeux avec vous. Mais j'aime bien aussi que vous les découvriez. Et donc, faire tous les jeux comme ça, ça va vous spoiler peut-être. Mais je ferai sûrement des lives genre Demon's Souls, des trucs comme ça. Des jeux finalement où l'histoire est un peu en second plan. Et c'est des jeux en plus on peut bien parler ensemble. Donc je pense que Demon's Souls sera peut-être le genre de jeu qui va peut-être revenir, en tout cas du côté PS5 cette semaine, en live, donc ça peut être cool. En tout cas, merci à vous, c'était vraiment cool. Je vais vous dire à bientôt pour un prochain live. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, petit pouce bleu, enfin bref, la petite tambouille habituelle pour YouTube, ça va être vraiment à continuer. Et merci à vous, je vous dis à bientôt. Et sûrement dans un live de Sepsol dimanche, en tout cas pour parler des Game Awards, ça va être plutôt cool. Donc voilà, d'ici là, s'il n'y a pas de live sur ma chaîne,
Bah suivez-moi sur Twitter, machin, en tout cas je parle souvent et puis on échange ensemble, c'est plutôt cool. Donc s'il n'y a pas de live, je serai sur la live de Sepsol ce week-end. Allez, ciao tout le monde, bisous. Allez, je repasse en grand quand même. Ciao tout le monde, bisous et à bientôt. C'est parti.